certes. Lucas. Allez. Second poteau, Pavard. Oh, Benjamin Pavard. Yes, yes. T'arrives pas un boulot pour moi. Ok, alors on appelle mon boulot. Ok, en italien. Ciao, comme est ça? Alhamdulillah. Ça va. Vous les Français, vous avez toujours une grande gueule comme ça. Avec moi sur l'autoroute, on va voir. Je t'ai vexé. Je vais te faire exploser ta Peugeot. Je t'ai vexé là. J'adore quand un plan se déroule sans accro. Secondes pour nos frères et nos sœurs en Palestine et tous les peuples opprimés dans le monde, mesdames et messieurs. Bienvenue à vous, c'est Radio Khlib. Dédicace à tout le monde. Putain de merde, c'est merveilleux. Ouais, qu'est-ce que ça dit les gens? Bien ou bien, Man Masso? Bah oui, bien sûr, big dédicace à tout le monde. Alhamdoulilah, on est fiers, hein. Wallah, on est fiers, on est bien. Ouais, aïe, c'est bon. Aïe, oh. Ça y est, c'est bon, je suis vierge. Alhamdoulilah, ya rabbil alamin. Je rentre au Maroc. Et je dois rentrer. Alhamdoulilah. Je vais rentrer en Algérie, en Tunisie, c'est bon. Ça s'est arrangé, je suis blanc. Putain, on va aller au Maghreb. On va y aller en bécane, on va y aller... Putain, je pleure du sang, déjà. On va aller en Algérie, pareil. Ah, hamdoulilah, wallah. Big dédicace. Franchement, non, les mecs. Wallah, les mecs, franchement, je vais vous dire une chose. Hein. T'as vu, quand je suis allé au Maroc, j'ai encore plus le seum. La tête de ma grand-mère, j'ai encore plus la mort. Quand j'ai vu le pays, comment est-ce que certains... peuvent le salir. C'est pas possible. Non, voilà, non. Non, si. Frère, je suis allé à Keshkesh. Je suis allé au 5-5. Je suis allé... Non, frère, j'étais à... Alhamdoulilah, j'étais à Fès, j'étais à Bourg, j'étais à... Oh, non, c'est du délire. Ouais, c'était la première fois que j'y allais. Non, c'était la première fois. Ah, merci la fiche de la disparition. Exactement. Bon, les gens, bah c'est... Non, je suis en... Ouais, oui, on repassera, Inch'Allah. En tout cas, bien, je suis super content. Merci. Wallah, merci. Bah, c'est mis où ton beau stylo marron que tu perds toujours dans les affaires? Ah, va regarder l'état, la culotte à ta sœur, sale merde. Même un stylo, je bim, l'oreille, il n'y est plus là. Bon, allez, on va appeler des gens. Sinon, à part ça, comment ça va? Alhamdoulilah, bien, les choses se passent. Fallait aussi... Wallah, Mohamed, j'ai pas eu le temps. Là où je voulais aller, frérot, c'était le Jbel. 4 heures aller, 4 heures retour. J'avais pas le temps, wallah. Et franchement, vu l'état des routes... Même en campagne, les routes, elles sont lisses. En moto, c'est un régal. J'étais en 508, location, je bavais. Wallah, je voyais les routes de Bec... Je bavais. J'ai dit, non, il faut un trail. Ah, moi, je vous le dis, il faut un trail. Oh, le Maroc en GS. Oh là. Ou en Harley Panamérica, bien sûr. Ou en KTM 1290. Ou en Ducati Multistrada. Non, c'est merveilleux. Non, voilà. Non. Le Maroc en Harley. Ouais. Mais pour les sportifs, c'est très dangereux. Oh, tu sais que là-bas, tu peux être sur un Hayabusa sans casque.
la tête de ma mère. Tu peux être sur une grosse cylindrée sans casque. Du délire. Je voyais les mecs, ils avaient pas de casque. Mais non, c'est des malades. Moi, même si je peux, je mettrai toujours le casque. C'est super important. Non, non, j'ai pas été à l'Husima. Là, Inch'Allah, ya Rabbi, Inch'Allah, Rabbi l'Alamin, si tout se passe bien, mois d'avril, Tanger, Al-Husima, Nador, Fès. Ouais, putain, ouais. J'ai vu un couple, oh, j'ai vu une famille sur une mobilette, 4. Ça allait bien. Non, non, c'est... Non, franchement, Mliha, wallah, franchement, la boue, franchement, Non. Ils ont un service. Tel service, le... Marahba dans la bouche, constamment. Je voulais leur dire, les Erwen, arrêtez de dire ça. C'est à cause de ça qu'on se bat en France. Arrêtez, Aïchik, arrêtez-vous. Marahba. Oh, les tétrans... Non, parce qu'il y en a... Hein ? Il y en a, ils pensent, c'est le pays à leur grand-mère. Tu vois, donc, non, il faut arrêter de dire ça. Faut arrêter. Non, trop. Je vais... La prochaine étape, c'est en Algérie, Inch'Allah. La prochaine étape, dans pas longtemps, en Algérie, je vais y aller à Stif. Je vais partir à Alger la Blanche. On va visiter les Tiex un peu, Inch'Allah. Je vais repiquer, si je peux, par Annaba, parce que je serai obligé. Et je finirai à Galat Esnen. Évidemment, avec tout ce qui va avec, hein, le monument des morts, Kassamé. Ah oui. Sauf que pour la Tunisie, Houmet El Himé, j'aurai la main sur le cœur. Ne m'en voulez pas. Ne m'en voulez pas, hein. Frère marocain, frère algérien, mais là, c'est le Tunis, tu vois. C'est, tu vois, j'aurai la main sur le cœur. Non. Non, ouais. Ah, on va prendre un fake. Ouais, je t'écoute. Allô, Selem. Ouais, ça va, comme. Alaikum Selem, mon frérot. Ça va, tu vas bien? Ça va, et toi? Alhamdoulilah, impeccable. Ouais, j'aimerais bien faire aussi. Bon, ça, c'est plus simple à faire. Bon, t'as raccroché. C'est plus simple à faire. Moi, j'aimerais bien faire un tourisme un peu de l'Europe de l'Est. La vie de ma mère. J'aimerais aller en Autriche, Vienne, voir les valses de Vienne. Que de Vienne. Les valses de Vienne, dis-moi, qu'est-ce que t'as fait pendant ces années. Oh là là, les valses de Vienne, voir la cour européenne, les cours royales. Non. Ouais. Allô ? Allô ? Allô, dis-moi. Salam Bassem, ça va ? Ça va et toi, mon pote ? Ça va. Hein, compote ? Hein, je t'écoute. Bassem, moi, je voulais parler quelque chose aujourd'hui. Ouais, dis-moi. En 2021, ça, moi, je trouve que il y a de plus en plus de fétichistes des pieds. Bon, je vois que t'es avec un pote, hein. Donc, évidemment, Clio 3 qui n'a pas de chauffage. Ta gueule ! Tu me parles des pieds, mais sur la vie de ma mère... Vous êtes tous des fétichistes des pieds. Je crois que... Qu'est-ce qu'il y a de bien dans un pied? Moi, j'arrive pas à suivre. Wallahi, je comprends pas. Alors, non, mais y a rien. Écoute-moi bien. Ouais. Ce qui est très intéressant, c'est que je vais te faire un petit cours en histoire avec toute la modestie que j'ai. La tête de ma mère. Écoute bien, frère. En Asie, hein. Je parle pas nazi, les Allemands et tout. Hein. En Asie, le continent asiatique. Il y avait une tradition qui voulait que plus les femmes, elles avaient des petits pieds, plus elles se mariaient vite et elles étaient sexy. Et ils prenaient les pieds à la naissance des filles, ils les bandaient. La fille, elle faisait du 22. Wallah, elle avait des tout petits pieds. Tu peux regarder sur le web. Donc les pieds, c'est vrai que c'est une zone qui a toujours fait triquer les gens. Mais je comprends pas, moi. Comment on peut bander sur un pied? Mais nous, on trouve que là maintenant, genre, ça commence à devenir genre vraiment beaucoup, genre vraiment. Mais en fait, ouais. Vous avez vu ça où, vous? On voit ça partout, on voit sur les réseaux, sur TikTok, sur Instagram, sur Snapchat et tout ça. Les mecs,
Moi, les mecs, il faut que je vous dise une chose. Il faut dire la vérité. Il y a une chose qu'il faut dire. Nous, en tant que mecs, c'est agréable de voir une femme qui prend soin de ses mains et de ses pieds. C'est comme une femme, c'est agréable de te voir toi. Quand ta petite copine, elle te voit et tout, elle est contente. Tu fais un peu de muscu, tu t'es coupé les cheveux, tu es entretenu. Une femme, c'est vrai que c'est important qu'elle ait des mains propres et des pieds propres. C'est vrai qu'il y a des femmes, frérot, on dirait, elles portent des chaussures de sécu toute l'année, que tête de ma mère, des gargouilles. Voilà, elles sont accrochées au toit, elles sont comme ça. Mais après, c'est vrai qu'il y en a, frérot, ouais. Ils prennent un pied d'une meuf et ils se bagnettent dessus. Te rends compte? Ouais, il y a des vidéos comme ça, ouais. Il y a des meufs, elles mettent leurs pieds dans Zizitoun, elles l'attrapent comme ça, elles font des va-et-vient, ces salopes. Non, mais c'est vrai. C'est quoi la plainte, quoi? Tu sais, je comprends pas. Wallah, il faudrait qu'on m'explique. Et il y a pire, il y a même des gens, ils cherchent des chaussettes aux femmes. Oh, tu l'as porté la journée, tu peux me le donner Des vrais fils de pute. Mais bon. Alors, toi, tu penses que les filles mettent en avant maintenant leurs mains, leurs pieds et tout? Mais Bassem, en fait, moi, j'aimerais parler aussi par rapport à un sujet. En fait, je pense que de nos jours, les filles avec des grosses fesses et des gros seins, c'est devenu trop banal. Est-ce que les mecs, tu penses que... Exactement. Ils vont se tourner vers les trucs un peu plus inédits, hors du commun. Et les yeux... Alors, toi là. Le second... Ouais. Toi, t'es un génie. Toi, on l'applaudit. Non, mais la tête de ma mère. Frérot. Là, tu sais ce que tu viens de faire, là? Tu viens de mettre à l'amende toutes les pétasses qui sont allées se faire gonfler les fesses et les seins. La tête de ma mère, vous êtes caduque. Et wallah, ce que le frère, il vient de dire, annulez tous vos rendez-vous. Je vous le dis, moi. Parce qu'il a raison. Il a carrément raison. Aujourd'hui, c'est tellement devenu banal. Mon Dieu. Toi, t'es un bon. La vie de ma mère, t'es un bon. Donc, tu penses que maintenant, vu que c'est devenu trop banal, ils vont faire quoi? Comme je t'ai dit, ils vont aller voir des trucs un peu plus inédits, hors du commun. Moi, je pense que la tendance prochaine, moi, je pense, hein, que... Ça va être l'homme-femme. Ouais, mais ça, c'est déjà maintenant. Quand je te dis l'homme-femme, voilà, ça va être l'homme-femme. Ça va être... je sais pas quoi dire. Tu sais, ça va être des hommes avec des barbes comme nous, mais ils auront ils auront du glunge, du french, du crunch. Ils auront du... Je sais pas comment... Wallah, c'est vrai, frérot. Je pense que... On va revenir à ça. Rappelez-vous... L'esthétique est une mode. Dans les années 80, la femme plate était, tu vois, la mode. C'est 95 où elles sont arrivées. La Pamela Anderson, si on peut dire. Vanessa de Mouy. Oh là 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 là. On en a plein comme ça. Elle s'appelle comment, celle-là, là? Celle dans... Et putain, elle s'appelle comment cette série? Bref, je me rappelle plus. En tout cas, moi, je pense à une chose qui est sûre. Et écoutez bien, les deux frères, hein, qui sont là. Ouais. Je pense qu'on va tellement arriver à n'importe quoi que j'ai confiance en la génétique de l'être humain. Et la femme, elle reviendra à ses raisons, ouais. À l'homme. Des cavernes. Il se fera tellement rare que je te jure. Ce qui est rare devient la mode. Il deviendra tellement rare qu'il sera la mode. Mais on sera tous pris. Restez dans votre état d'esprit. Suivez jamais la mode. Absolument jamais. Parce qu'on revient... La boucle est bouclée, frère. Moi, je pense. C'est ça, exactement. C'est des cycles. En fait, c'est des cycles. Moi, j'ai toujours dit, les hommes, ils font la guerre. Ils font la guerre. Et après, la guerre, dès que c'est fini, qu'il y a la paix, les hommes, ça devient des femmes et ils deviennent plus faibles. Et du coup, après, il y a de nouveau des guerres. Tu vois ce que je veux dire, Bassem? Exactement. C'est un cycle, en fait. C'est un cycle. Donc, moi, je pense qu'il faut... Il faut surtout pas...
Tu vois, il faut surtout pas céder. Aujourd'hui, les femmes, ce qu'elles veulent, c'est un mec mis dans le din, mis dans le shit. C'est des femmes qui ont pas d'avenir, qui vont pas à l'école, qui font pas de formation. Mais la seule chose qu'elles veulent, c'est un mec qui est mis dans le din et mis dans le shit. Tu sais, pour comme le remettre dans le chemin et tout. Pour le redresser un petit peu, comme tu dis. Et je te le dis, c'est pas des bêtises que je te dis. Je te jure que c'est vrai. Les femmes, il y en a, elles sont inexistantes. Mais elles veulent des gens très charismatiques. Donc pour ça, elles sont capables de se gonfler de partout. C'est des poupées gonflables. Mais comme tu l'as dit, aujourd'hui, c'est tellement facile d'accès. Tu vois, je me fais draguer. Un exemple, je me fais draguer par un faible maghrébin, un sac à main. Bon, il tombe amoureux de moi. Il me trouve super belle. Il veut me refaire faire les seins. Bon, bah écoute, hein, 3-4 000 euros, c'est facile à faire maintenant. C'est pour ça que c'est banal. Donc vous, les frérots, restez comme vous êtes. Elles vont revenir à la raison. Et c'est là où faudra sortir notre zub. Faudra leur dire, Nine, dégage. Le recyclage, c'est pas ici. Faut créer une vraie élite, la tête de ma mère. Et les deux, là, vous êtes là, là. Je sais pas quel âge, vous avez quel âge? Ouais, 18-19. 18-19 ans. Vous êtes d'où, les frérots? On est d'Alsace. Alsace? Ok. Ouais. De quelle origine vous êtes? Moi, il y en a un, il est algérien, et l'autre, il est turc. Il est turc, ouais, là-bas, c'est normal, hein, les... Alors, 18-19 ans, les filles de votre génération en Alsace, elles sont comment, là-bas? C'est tout sur les réseaux, tout sur les trucs, tout sur le paraître et rien dans l'être. Le frère turc, là, il est là ou pas, là? Il est là, il est là. Il est là. Les Turcs en Alsace, c'est les mêmes que les Turcs et tout à Lyon? Est-ce que les filles, par exemple... Alors, moi, si je te dis ça, c'est que j'ai remarqué, quand je suis parti en Allemagne et tout, c'est quand je me suis arrêté, j'ai remarqué, plus tu montes en Allemagne, plus les Turcs sont plus les mêmes. Non, c'est plus les mêmes Turcs que je connais, moi. Par exemple, nous, ici, on a beaucoup de Konya, de Yozgat aussi, on en a aussi. Tu sais, c'est pas les mêmes. Tu sais, plus tu montes en Allemagne, plus ils ont des crêtes. Je sais pas si tu vois... Je connais parfaitement les Turcs d'Allemagne. C'est un autre délire. Ah ouais, c'est un autre délire. Je te le dis, ouais. Est-ce que, dans votre région, vu qu'il y a plus de Turcs et de Maghrébins, est-ce que le métissage est tous fait entre Turcs et Arabes? C'est-à-dire, genre, les mariages turco-arabes? Ouais, parce qu'il y a plus de risques, un peu, quand même, non? Bah, vu qu'il y en a plus, ouais, forcément. Bah, pour te dire, mon propre cousin s'est marié avec une Marocaine. Donc, d'accord. C'est des choses qui... Ouais, parce que quand je dis il y a plus de risques, c'est parce que vu que vous êtes plus nombreux, c'est normal qu'il y a plus de risques, qu'il y a du métissage. Alors, toi, frérot, le jeune Turc, toi, tu es pour que les Turcs se métissent et tout un peu? En fait, c'est un sujet un peu compliqué. Pourquoi? Parce que nous, dans notre culture, il n'y a pas trop de métissage. Je pense que tu sais, on reste entre nous. Il n'y a pas vraiment de... C'est pas très fréquent de retrouver ce genre de situation. Non, mais toi, par exemple. Ouais. Toi, si t'as une sœur, elle veut se mettre avec un robeux. Tu en penses quoi? Si, par exemple, ta petite sœur, elle veut se mettre avec ton pote, là. Ouais. Il est bien, lui, là. Il est bien. Non, mais attends. Partons du principe. Le gars, il a l'air d'être bien. Il a la tête sur les épaules. Bon... Pourquoi tu lui refuserais? Est-ce que toi, en tant que Turc... La question, c'est aussi concernant la personne. Enfin, je pense que si la personne, elle est bien, qu'elle est dans le djinn, qu'elle est respectueuse, etc., etc. Si elle a les vraies valeurs de la vie, etc., etc. Pourquoi pas, tu vois? Mais, en fait, je pense que ça dépend. Faut pas... Je sais pas trop comment expliquer, mais... C'est un sujet un peu... C'est pas un sujet un peu tabou, frérot. C'est un sujet où il n'y a pas de gris. C'est soit blanc ou c'est soit noir. Moi, je vais t'expliquer une chose. Wallah l'adim, je le dis à plusieurs reprises, vous êtes des gamins, c'est pour ça que je vous parle.
votre génération, sachez que je n'ai aucun problème avec le métissage. Moi, j'ai un problème avec l'apologie du métissage. Qu'on soit bien clair. Ouais. Ah, si tu ne te métisses pas, tu es raciste. Pour moi, le mariage maghrébin-turc, c'est un échec. Pour moi, c'est de la merde. Je respecte les couples turcs et robeux qui se mettent ensemble. Attention, quand je dis ça, je le dis dans le sens où les Turcs et les robeux s'entendent super bien tant qu'ils ne se marient pas ensemble. Moi, c'est ce que je pense, c'est ma vision. Après, il y a des couples turcs-robeux qui vivent très bien ensemble. Rabbi Zedoum, frérot. Mais moi, je te donne mon avis à moi. Les Turcs et les robeux ne s'aiment pas. On ne s'est jamais aimé. On s'est toujours respecté. On se respecte. Moi, j'ai un frère, j'ai des frérots turcs, par Allah, depuis 35 ans. Il y en a un, sa femme, ses enfants, je ne les ai jamais vus. On se respecte, on n'a pas besoin de ça, nous. Donc, moi, je te dis la vérité. Quand je te dis qu'on ne s'aime pas, c'est historique. Bon, il y a eu les histoires avec l'Empire Ottoman. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que... Moi, il y a des choses qui me dérangent et tout un petit peu. Tu sais, si on peut en... On en parle ensemble et tout, entre frères. Les Turcs, c'est une communauté, bien sûr qu'il faut prendre un exemple. Il faut prendre exemple sur plein de choses sur eux. Ouais. Mais moi, j'ai un blème. Après, bon, tu vas me dire que ça n'a rien à voir et tout, mais voilà. Bon, chaque fois, ils ont des restaurants, c'est pas des filles turques qui s'y servent. Ouais. C'est quand même rare. Parce qu'ils ont tout compris au film. Leur femme, ils ne les montrent pas. Donc, est-ce que moi, si demain j'ouvre un restaurant 100% robeux, je mets que des serveuses turques, j'espère sincèrement que ça touchera des Turcs qui nous ressemblent. Je pense à des gens que je dis pas le nom, mais bon, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Les maîtresses sont toujours robeux, quoi. C'est dingue, ça. Je sais pas. Moi, j'ai un vrai problème avec ça. La tête de ma grand-mère. Moi, j'ai pris position pour les Turcs à plusieurs reprises. J'ai pris des positions claires. Hein, claires, je le précise. Mais moi, j'ai un blème avec ça. Après, c'est pour ça que pour moi, plus tu montes en Allemagne, plus il y a de Turcs et de Robeux, et plus il y a tendance au métissage. C'est normal, vous avez grandi ensemble, blablabla. C'est comme à Paris, où les Renois sont en nombre, il y a du métissage. C'est normal. Mais gardons notre bonne entente. Ouais. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Moi, pour moi, c'est ma vision des choses. Les Turcs et les Robeux se sont toujours bien entendus tant qu'ils se mélangent pas. Ouais, franchement, regarde. Moi, là, c'est l'Algérien qui parle. Moi, j'ai beaucoup de potes turcs et oula, c'est des hommes. Moi, oula, je m'entends super bien avec eux, c'est des hommes. Après, moi, je vois ce que tu veux dire. Dans le sens où, moi, je pense que ce que tu penses, c'est que plus on se métisse, plus la culture des ancêtres, tout ça, disparaît. Mon frère, on sait même pas parler robeux. Tu veux qu'on transmet quoi? C'est aujourd'hui le métissage, c'est le métissage TikTok, Rouyal Aziz. Sortez-moi une femme ou un homme qui sait entre turc et robeux, qui parle turc. Après, tu vas me dire, oui, il y en a qui le font. Mais je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Pour moi, j'ai grandi dans un monde où les clichés font l'humanité. Une Turque, c'est avec... Moi, les Turcs de mon immeuble, elles étaient quatre. Les Güvenk, elles étaient quatre. Les yeux de ma mère, des filles de ma génération, je les ai jamais vues dehors. La seule fois où je les ai vues dehors, c'était leur père qui ouvrait la voiture et elles se mariaient. Elles descendaient avec une robe de mariée. Je les avais jamais vues. Elles ont grandi à côté de moi pendant 15 piges. 15 piges. Aujourd'hui, voilà, il y a... Moi, je l'ai tout toujours dit. Turc robeux, non. Absolument pas. Absolument. Et là, c'est moi, pas un problème de... J'aimerais revenir sur un point. C'est intéressant. Tu as dit... Par exemple, en Allemagne, ok, c'est comme ça. Mais en France, je trouve que les darons turcs, ils ont une vision assez bizarre envers les Arabes de France. Je sais pas ce que t'en penses. Par exemple, moi, mon daron, il a grandi avec des Arabes dans un quartier et il a vu que de la merde. Franchement, honnêtement, il a vu que de la merde. Et à l'heure actuelle, je sais pas, genre,
il aurait peur, même si moi je me marie avec une arabe. Voilà, je pense que ça va bloquer. Je sais pas si tu vois c'est une bonne communauté. Les Turcs, c'est une bonne communauté. Et ça, on le sait, c'est un secret pour personne. C'est une très bonne communauté. Mais c'est une très bonne communauté parce que, justement, ils ont toujours été très communautaires. Nous, c'est le bordel. On n'est pas sortis de l'auberge. Parce que nous, on a toujours dit « Marahba ». La tête de ma mère, c'est ça qui nous a mis dedans. Aujourd'hui, les générations de Turcs et de Robeux se font de plus en plus parce que c'est les réseaux qui font que. Parce qu'il y a ce fameux « t'entends qu'il est musulman ». Et ainsi de suite. Donc moi, je suis absolument contre le métissage robeux-turc. Moi, c'est mon avis personnel. Voilà, ça n'engage que moi. Pour moi, je ne vais pas dire que ça marchera jamais, non. Mais pour moi, c'est une utopie. Un Turc va avec une Turque. S'il vous plaît, laissez-moi garder exemple sur vous. Il n'y a que vous que je regarde qui me donne l'inspiration. Mélangez-vous pas. Il reste que vous. Mais... parce que vous, là, wallah l'ardim, hein, et je te le dis, hein, je te le dis, moi, la main sur le cœur, hein, la prochaine communauté à être dévastée par ça, je ne sais pas pourquoi. Je pense que les Turcs, si ça continue comme ça. Ça va être les Turcs. Je pense. De toute façon, toutes les autres communautés, là, maintenant, elles ont été touchées. Pratiquement toutes les autres communautés. Non. Il y a des communautés... Non. Après, moi, je vois beaucoup des pays de l'Est qui se mélangent pas. Ça, je les vois. Ça, je vois les pays de l'Est qui se mélangent pas. Les Albanais, les Serbes qui se mélangent pas. Ça, je le vois. On le voit aussi ici. Mais sinon, entre Algériens, voilà, ça se mélange. Entre swag. Faut dire la vérité. Qui c'est qui se mélange? C'est ceux qui écoutent Skyrock, c'est ceux qui écoutent les mêmes musiques sur YouTube, c'est tous ceux qui sont abonnés aux mêmes pages des réseaux. C'est eux qui se métissent. Mon pote, c'est eux. C'est la Vox Populi qui se métisse et qui crée des bâtards. Parce qu'avant, au moins, les gens, ils se métissaient, ils avaient une double culture. Les yeux de ma mère, là, ils se métissent, ils ont aucune culture. Zéro. Aucune. Absolument zéro. Bref, prenez soin de vous les frères, vous êtes des bons, force et honneur. Oh le Turc. Merci Bassem. Oh le Turc. Merci Bassem. Attends frérot Turc, me redis plus jamais, je sais pas si c'est un bon, c'est pas grave, il n'y a pas, tu es Turc, tu ne te métisseras pas, vrai ou faux? Comme je te parle, il n'y a pas comme tu me dis, vrai ou faux? Inch'Allah tu ne te métisseras pas, vrai ou faux? Inch'Allah, ok, mais si la personne en face, comme oh là tu là dis, c'est vraiment une personne qui a... Frère, toi ça se voit que t'as bu du Ayran, d'une maghrébine, tu veux pas nous le dire? Wallah frère, toi ça se voit. Arrête, non, là t'es là, vrai, t'es... Vrai, en plus les Turcs ils sont amoureux, ils viennent avec des bouquets de fleurs. Voilà, je l'ai vu à Istanbul, ils t'attendent comme ça. Ouais. Bon, prenez soin de vous les frères, à la prochaine, Inch'Allah. Bon, attends, on va appeler des gens, bordel. Attends, bouge-moi. Non, attends. Bon. Allo frérot, salam alaikum. Kou salam, bien ou quoi? Bien et toi? Tu m'as donné ton numéro, tu voulais réagir à la radio, vrai ou faux? Ouais, c'est vrai. Bon, tranquille, hein. Alors toi tu voulais... La jalousie des frères à ton père, ils l'ont tué. Ouais, en gros c'est ça, enfin pour moi c'est ça, tu vois, dans ma conclusion que j'ai fait, c'est ça en fait. Mais il est mort? En gros? Ouais, il est décédé mon père, en 2009, Arayahmou. Oh putain. Bah, il s'est passé quoi, frérot? En fait, pour tout expliquer, en fait, bah, tu vois, mon père, comment dire, c'est la génération, tu connais, ils sont nés en 63, ils viennent du Maroc. Bref, ils sont venus en France, tout ça, avec ses frères, tout ça. Et bref, à un moment, quand j'étais plus jeune, tout ça,
Bref, tu connais, ils buvaient un peu d'alcool, tout ça. C'est-à-dire que ça allait pas bien avec ma famille. Mais bon, tout ça s'est réglé. Tu connais, il a repris un travail. Tout allait bien, maison, bled. Alhamdoulilah, franchement, le top, on a. Et comment dire, on dirait, ça n'a pas trop plu à ses frères. Comment dire, de ma ville, hein, dans France, tout ça a pas, on dirait que ça a pas trop, ça leur a pas trop plu, tu vois, que il soit bien en fait. Alhamdoulilah, il était bien. Et tout allait bien, tout ça. Il était Et en bien, gros, quoi? Il avait des terres et tout? voilà, alhamdoulilah, tout allait bien. En gros, Putain. l'argent, famille, Ok. Ok. Oh les gens! Eric, voilà. 602 likes, c'est une blague. Sur la vie de ma mère, il n'y a pas 1000 likes là. Maintenant, regardez, je vais compter à 25. Il n'y a pas 1000 likes. Wallah, je coupe la radio. 1, 2, 3, 4, 5, Like a ball de 6, pain. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bon, très bien. Allez. S'il n'y a pas 1500 likes à la mi-temps, je coupe. On est bien d'accord. Donc, mais ils l'ont tué par rapport à quoi, frérot? En fait, regarde, je vais te réexpliquer, mais franchement, wallah, c'est une histoire complètement folle. Ouais, En mais gros, frérot, viens-en au but, ne soyez pas lourd quand vas-y, vous vas-y. expliquez les choses. Voilà. En gros, il buvait de l'alcool avant. Il a arrêté, tout allait bien. En gros, c'est simple, ils l'ont refait boire, mais en fait, ils voulaient qu'il se sépare de ma mère et que ça n'aille pas avec ses enfants, tout ça. Et du coup, ils l'ont refait boire. Et un jour, il y avait le mariage à ma cousine. J'étais petit, c'était en 2008, je crois, j'avais 10 ans. Il y avait le mariage à ma cousine, tout ça, et juste avant ce mariage, du coup, ils l'ont fait boire, et Starfall-là, en gros, ils l'ont pris en photo avec des prostituées, si tu veux savoir. Ils ont ramené des prostituées, ils l'ont pris en Ils ont photo. ramené des chiquettes, hein? Ouais, ils ont ramené des chiquettes, hein? Ils ont mis les Écoute, rideaux, voilà, ils ont c'est ça, fermé c'est des trucs les de ouf. chiquettes là, avec la viande là. Tu vois, ils sont comme ça. Et en Ouais, gros, frère, ouais. là, je suis au mariage de ma cousine, on est petits, tout ça. Et ma sœur, elle tombe. Et mon oncle, comme ça, il pose la photo. Comme ça, elle la voit. Du coup, elle a fait quoi, ma sœur? Elle prend la photo, elle la ramène à ma mère. Ça y est, ma mère, elle pète les plombs, tout ça. Et c'est là que c'est reparti. Elle l'attège. Il est parti vivre, il vivait dans sa voiture, tout ça. Et ben ça y est, là, il s'est remis à boire, tout ça. C'est jusqu'à. Et eux, ils habitaient à côté de chez moi. Et jamais, plus de nouvelles. À partir de là, plus de nouvelles. C'est fini. Et gros, et après il était tout seul, il commençait à boire, à boire, à boire. Et jusqu'à un jour, moi, je m'en rappellerai toute ma vie. J'étais au City en Sans bas de chez blague. moi. Ouais. J'étais au City en bas de chez moi, je jouais au foot. Et là, je vois quoi? Je vois mon cléon avec ma tante dans une camionnette. Ils arrivent en bas de l'immeuble et ils m'appellent. Tu vois, moi, je suis en train de jouer au foot, je calcule même Ouais. pas. Ils me disent, appelle-moi ton grand frère. Ça fait, moi, je monte chez moi, j'appelle mon grand frère, on descend. Et moi, je suis un peu loin, mais j'entends, tu vois, je comprends. Il s'est dans ses bras, il dit, ton père, il est mort, tu vois. Oui, il monte dans sa voiture, il part. Et ça y est, moi, je monte chez moi. Avant que mon frère, il monte, moi, je monte direct voir ma mère. Je lui dis, Sam, il y a une grosse tarte, elle me dit, qu'est-ce que tu racontes? Et depuis ce jour-là, plus de nouvelles. Et même, j'étais en CM1, Votre même quand j'arrive. correspondant n'est pas joignable pour le moment. Merde! Veuillez Alors, laisser un attends, message frérot. après le signal sonore. Non, on Après s'en bat avoir les laissé couilles. votre message, vous pouvez le Alors, modifier en attends. tapant dièse. Ah ouais. Supprimer. Ouais, est-ce que tu es avec nous? Ouais, je suis là. Alors, ton père, t'as découvert qu'il était mort où, frérot? Il était, comment dire, en bas, en fait, en bas de, pas loin de chez moi, il y avait un petit coatel. Du coup, il s'était mis là-bas, comme il était plus trop avec ma mère. Tu vois, ma mère, il s'était pas divorcé, mais ma mère, elle avait têche de chez moi, en fait. Du coup, il était posé au coatel là-bas et Et pour et un quelle soir, raison, en tu vois, fait. la tège? Par rapport à ça, parce que tout était. Avant, il buvait, il avait arrêté, tout était bien. Et en fait, eux, ils l'ont refait reboire, tout ça. Et du coup, c'était encore pire. Et après, l'histoire avec la photo, tout ça. Et en plus, le pire, c'est quoi? C'est que moi, ça s'est passé, j'étais en CM1. Du coup, même quand je rentrais du collège en 6e, du coup, moi, le réflexe, quand t'arrives à midi, t'ouvres la boîte aux lettres. Il y avait des lettres de mon père déjà ouvertes. C'est-à-dire, ses frères, tu vois, de la ville. J'ai eu récupérer le courrier. Et Allô? ça y est, dès Oui, que c'est boss. pas intéressant, je Allô, m'entends, ouais, je vais frérot, rentrer attends, s'il te plaît, mettez dans une la minute, CM1. attends. Le Frérot, c'est premier très frère, très Aïchik. important. Ouais, attends, non, le La suite frérot, peut là, me s'il te rappeler plaît. dans 30 minutes. Comment, dans 30 minutes? À quelle heure je te S'il suce? te Non, plaît. mais c'est une S'il te blague. plaît. Non!
Allez. Pff, allez. L'autre, il est lourd, l'autre. Ah, la voiture, alcool. J'ai rien compris au film, moi. Ah, mais c'est une blague. Attends. Allô. Allô. Allô, Salem. Salem. Ça va la baisse. Ouais, attends, je vais aller le récupérer. La voiture, alcool, j'ai rien Ouais, frérot Salem, je t'écoute. Ouais, Bassam. Je voulais juste te dire que je t'aime trop, frère. Merci, frérot. Oh là, je te suis depuis longtemps et. Merci, frérot. Je suis avec toi. Barakallahu fik, frérot. Rabbi hafdik. C'est juste que je te dis, je t'aime trop, frère. Merci beaucoup, frérot. Prends soin de toi. À la prochaine, Inch'Allah. Allô? Allô? Sale bâtard, je sais pas ce que tu vas dire, mais tu m'as fait rire déjà. Sale enculé. Vas-y, frérot, je t'écoute. Ouais, ça va la baisse. Où est ton sou? Bon, alors, où on en est? Attends. Je sais pas, on est là, voilà. Comment vous m'avez manqué, la tête de ma mère. T'es con, toi, attends, reste avec nous, toi, attends. Attends. Il m'a dit, ben, je sais pas, on en est là. Il dit, mec, mais là où? Ouais, ça, ça... ouais, toi là qui est en voiture, là, où t'es, frérot? Allô? Ouais, j'étais en train de te faire pomper ou quoi là? Allô? 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 Allez, pars-toi. Allô? Bon. On va bien y arriver. Allô? Allô, ouais, Bassem. Ah, ouais, Salem, ça va? Ça va et toi? Impeccable, je t'écoute, mon ami. Oh, je te mens pas, Bassem. T'as vu, je t'aime bien, en vrai. Mais t'as vu, des fois, je te mens pas, frérot. Tu mets la mort un peu. T'as vu, quand tu suces l'état, les decks et tout. Et je te dis pas ça pour machin. Mais t'as vu, c'est vrai, t'es un bon et tout, mais des fois, t'as vu sur ça, tu mets la mort. Mais tu dis plein de trucs vrais, des bons trucs et tout, tu fais plaisir à la France, t'as vu, je te mens pas, moi, je suis un blavant, mais c'est pas comme tu crois, t'as compris. Attends, frérot, t'es pas un blanc, arrête de balnaf, t'es un lyonnais, t'es un mec de mon secteur, je vous reconnais de loin. De mon grand-père, que non, Bassem, c'est pas loin d'eux, c'est pas trop loin de chez toi. Mais t'as vu, c'est pas où tu crois, frérot. Ok. Bon, non, ouais, frérot. Je te mens pas pour de vrai, hein. T'as vu, ouais. Des fois, tu mets trop la mort. T'as vu, quand tu parles du peuple et tout, c'est bien, tu fais plaisir, sa mère. T'as vu, comme. Je sais pas comment dire, toi, laquelle, quand tu parles du peuple, des machins comme elle, tu fais plaisir. Mais t'as vu, quand tu parles président, machin et tout, un peu les quartiers, les machins comme elle, que un peu tu parles trop des decks et tout, je te mens pas, tu mets la mort, frérot. Les machins comme elle, ainsi, c'est donc toi, le gangster de Voiron ou de Vorep. De Voiron, non. De Voiron, ouais, Valo. Ouais, c'est même pas là-bas, tu te racontes. Ah, moi, Bassem, en cas, je t'envoie deux pruneaux dans ta pastèque, sale trou de balle, tu parles avec moi quand même. Tu me vois en face, en cas. Je t'attrape, la pompe de mon grand-père, t'es white, sale trou de balle. Tu parles avec moi quand même. Ça, en vrai, je t'aime bien, mais t'as un trou de balle des fois. Ouais. Bon, tranquille, où est-ce qu'on peut te trouver, Franjo? Grenoble. Grenoble où? Grenoble. T'es sûr. Grenoble quand? Allô. Allô, ouais, Salem, Bassem. Allô, Salem, frérot. Salem, frérot. Je voulais t'expliquer, frérot. T'as vu, moi, de base, je suis démissionnaire, je suis ton quartier, je suis de Lagrange. Ouais. En gros, je suis venu habiter à Marseille, là, il n'y a pas longtemps. D'accord. Je voulais qu'on parle foot. D'accord. Tu habitais où, à Léo Lagrange, frérot? Devant chez Saïd. À côté Saïd de qui box, Ah Saïd, même. Ok. C'était de la mécanique au Black à l'époque. Mouh.
Ah, Mouhachek, son frère, ah, il s'appelait... Tu parles de Mouh, de Mouh, Ziam, R21, oh, Galak, de l'Uturbal. Attends, attends, moi, c'est mon perso. On s'est vu là-bas, non, frérot? Ouais, l'époque, mais moi, je suis un 98, je suis un petit pour toi, tu vois, tu dois pas voir, je suis qui. Dis-moi les premiers blagues de l'équipe avec qui tu t'es... Où t'étais, toi, dans... Quoi, tu m'as dit? T'étais dans... Quand t'étais au Tchex, avec moi, qui tu traînais, quoi, j'habitais... Moi, j'habitais à la 18, tu vois, même dans... Pas loin de chez moi, il y avait le Calbox de IS. Tu te rappelles à l'époque? Ouais. Mais toi, tu traînais avec qui, frérot? Wallah, je te mens pas, mon frère. Moi, j'étais un solitaire. Wallah, quand j'étais petit, j'allais au primaire à l'Hypergo. Après, je suis parti à Paul-Éluard. Je faisais que école maison, Wallah. D'accord, ok. Donc tu te poses, ouais, c'est pour ça qu'en plus t'es un 98, ouais, oulala, c'est, on n'y était plus déjà presque. Vas-y frérot, donc. Voilà mon frère. Je t'écoute. Moi, je voulais qu'on parle foot. Ouais. Voilà. Je t'explique, moi mes parents ils sont séparés. Il y avait le daron, il habitait à Herbel à Marseille, et ma mère allait au Lagrange à Vénissieux. Et quand j'étais petit, j'ai vraiment été choqué par une action au stade de Gerland, au virage sud. Je sais pas si t'as déjà assisté. Virage Sud, c'était Lyon-Lorient. À l'époque, l'équipe, c'était... Il y avait Lisandro Lopez devant, Baptiste Mbigomis, etc. Tu te rappelles? Ouais, 2009, ouais. Voilà, exactement. Même il y avait le maillot de Hatta, et là, tout rose, violet. Ouais, vas-y, frérot, mets-moi dedans. Vas-y. Cool, sans vaseline, allez, vas-y. Il y a des frères, ils ont sorti le drapeau d'Algérie, en plein ouais. Virage Sud, il restait ouais. 20 minutes de jeu. Ouais. Tout le virage sud, ils les ont enculés. Les trois, ils les ont marbrés. Quand je te ouais. dis que ça saignait, pour de vrai, c'est pas un troll ou quoi, je te raconte vraiment vrai. Ouais. Ils les ont hagal, wallah, ils les ont enculés parce qu'ils ont sorti le drapeau d'Algérie au virage sud de Lyon. Et tu vois, les trois frères, là, ils saignaient, etc. De quelle origine t'es, frérot, toi? Je suis d'origine algérienne. Tu habites où là-bas au bled, frère? À Alger, à Hidra. D'accord. Toi, tu rentres au bled un peu? Non, j'y vais pas beaucoup, frérot. Est-ce que tu suis le foot un petit peu? Tu m'as dit quoi? Est-ce que au bled, tu suis le foot? Au bled, ouais, je suis un peu. C'est quoi ton équipe? Moi, je te mens pas, mes parents sont d'origine kabyle, ça fait la GSK. Hein. C'est la GSK? Ok, donc... La GSK, ouais. Qu'est-ce que tu penses si moi, je vais à la GSK? Si Pierre, il va à la GSK? Et il sort un drapeau français? Il va se passer quoi, frérot? C'est vrai, d'un coup... Il va se passer quoi? Le stade, mon frère, est un repère très communautaire. Il reste que le stade pour ces gens-là. Parce qu'une fois que le match, il est fini, quand il s'éparpille dans les rues de Lyon, c'est plus les mêmes. Il y a toujours eu un respect... Par rapport à ça, quand je te dis un respect, c'est que toi, t'es lyonnais, on n'est pas trop touché par ça, nous. Les ratonnades, ça n'existe pas ici à Lyon. Parce que chacun est à sa place. Et les moutons seront bien gardés. Hein. Mais qu'est-ce que tu penses de ça, frérot? Je m'appelle Thomas, je vais à la GSK à la ZEUB. Je prends un drapeau français. Je me fais massacrer. Vrai ou faux? Ça serait de la ZEUB, mais ça risque pas d'arriver. Alors qu'en France, c'est... C'est fréquent, t'as vu, tu vois que n'importe quel match dans le monde, il va y avoir un drapeau de l'Algérie. Tu vas pas m'apprendre Gerland. Gerland, virage nord, virage sud. Gerland, Jean Jaurès, Jean Bouin, là tu sors le drapeau. On ne boulera pas là. À Jean Jaurès, à Jean Bouin, tu sors le drapeau, oui. Mais les virages... C'est quoi qui m'aïeve depuis que je suis gamin? Je m'en rappelle, mon père, il m'endormait sur des matchs de Ligue des Champions, TF1. Thiago, il marquait, il mettait la sucette dans sa bouche pour fêter. Wallah, frérot, ce qui me choque, en fait, moi, ce qui me fait mal au cœur, c'est que l'OL, wallah, franchement, wallah, je supportais vraiment cette équipe depuis que je suis gamin. Et quand j'ai vu des supporters du Badgon, du Virage Nord, ça fait des nazis. Frère, pour moi, c'est devenu un club de raflard. Alors ouais, c'est pour...
Alors qu'il n'y a que des Algériens qui sortent de ce club. Pourtant, ils ont sorti beaucoup d'Algériens. Ils ont sorti Benzema, Isaac Delphine. Oui, oui, frère, mais ça... Eh ben, justement, justement, t'arrêtes pas à ça. Moi, pour finir avec le foot, frérot, moi, j'ai connu l'Olympique Lyonnais des années 90. Moi, j'ai vu des gens de mon quartier. Ils avaient, à la place des pieds, ils avaient des mains. Rafik Bricky, Moussa Dekseniussi, tout, la vie de ma mère, ils avaient... Moussa Dekseniussi, c'était des assassins. Mais avant l'OL, il n'y avait pas trop peu. Là, maintenant, on a de la chance. Ça fait 20 ans qu'ils forment et qu'ils en sortent de tous les quartiers. Si on nous avait dit ça dans les années 90, mais c'était de la science-fiction pour nous. Donc, les supporters, en gros, on s'en bat les couilles. Et vous aussi, cherchez pas la merde. Et retiens toujours cet exemple. Qu'est-ce que Thomas aurait fait à la GSK avec un drapeau français? C'est tout, frérot. Il serait enculé. Voilà, merci, prends soin de toi, à la prochaine, Inch'Allah. Putain. Allô? Allô, Pélo. Allô, frérot. Allô, Salem, Bassem, tu vas bien? Salem, ça va et toi? Je t'écoute. Ouais, bah écoute, je voulais discuter avec toi aujourd'hui un peu. Je t'avais envoyé un message sur Snap. Parler un peu du monde de la finance aujourd'hui et conseiller les frères dans leur scolarité. Avec tout ce qu'il y a eu, c'est sûr que c'est un peu compliqué aujourd'hui. Et, bien sûr, frérot, je t'écoute. Envoie-nous les grandes lignes. Écoute, allez, vas-y. Alors, écoute, moi, je t'explique. Mais moi, actuellement, tu vois, je suis dans une bonne école de commerce, tu vois, où je fais de la finance, ce qu'on appelle de la finance de marché, où tu sors, tu peux être trader, tu peux travailler vraiment dans des grandes institutions financières. Et moi, je sais que voilà, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont perdus de notre génération et tout. Tu vois, moi, j'ai que 20 ans pour le moment. Mais je pense que c'est important de pouvoir les conseiller, les aiguiller, tu vois, de leur donner des bons conseils, de vraiment les aider, tu vois. Donc, tu es dans quelle... Enfin, tu fais quoi dans une école de commerce, en fait? Alors, en fait, je t'explique. Dans les écoles de commerce, ce qu'il y a aujourd'hui, donc en France, on a vraiment des bonnes écoles de commerce. T'as, par exemple, HEC Paris. T'as des écoles comme... T'es Herri Tobogan. Viens ici. C'est des viens grosses, ici. Grosses écoles. Tais-toi. Viens ici. T'es Herri Tobogan, toi? Non, pas du tout, frérot. Arrête de mentir. T'es un toboggan, vrai ou faux? Wallah, pas du tout. Halef Wallah. Wallah l'adim. D'accord, non, parce qu'il y en a, ils t'ont dit que c'était un toboggan. Ok, non, frérot, excuse-moi. Donc, non, vas-y. Donc voilà, je te disais, aujourd'hui, les écoles de commerce, c'est des écoles qui forment vraiment, tu sais, pour t'amener vraiment de travailler dans les grosses institutions, tu sais, comme Rothschild, vraiment occuper des gros postes aujourd'hui, tu vois. Et donc, du coup, concrètement, voilà, tu peux t'exercer de cette manière-là dans ces écoles-là. Et ça permet vraiment, vraiment, tu vois, d'accéder à de gros trucs, tu vois. Ok. Et en fait, tu veux les conseiller par rapport à quoi, frérot? Je n'ai pas trop compris. Alors, les conseiller dans un premier temps, pour leur dire déjà que ça peut être vraiment un vrai tremplin pour ceux qui veulent vraiment travailler, par exemple, plus tard dans la crypto-monnaie, qui veulent vraiment essayer de bien vivre plus tard. C'est des métiers qui rapportent énormément. On en parlera, on fera des émissions, les gars. Je vous le dis. Là, on y est, la tête de ma mère. Hein. Là, ça prend forme. On vous la fera, là, bien. Ouais, frérot, donc. Voilà, donc comme je pouvais conseiller aux frères, donc déjà si on part par exemple dès le lycée, forcément, bon, tu sais, c'est très bien, c'est les bacs généraux d'aujourd'hui qu'il faut, mais vraiment obtenir vraiment dans un bac scientifique, tu vois. Pour les frères, voilà, qui sont aujourd'hui au lycée, qui ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent faire, etc., mais qui sont vraiment dans cette recherche-là, plus tard de vouloir... Alors attends, 30 secondes, il y a une seconde personne avec nous, là? Allô? Non, j'ai cru que je me suis trompé. Ouais. Ouais, frérot, je t'écoute. Ouais, voilà, donc comme je disais aujourd'hui pour les frères, voilà, qui souhaitent peut-être, qui ne savent pas vraiment quoi faire, en tout cas, un minimum, essayer vraiment de valider pour un baccalauréat scientifique. Vraiment tous, ça peut être vraiment le minimum. Mais tu crois qu'ils ont tous les capacités de faire... Non, mais entre nous. Oh, alors moi, je t'explique, oh là, écoute, moi, je t'explique, dans ma famille, franchement, pas du tout, il n'y a pas de personne qui était dans ce milieu-là, vraiment pas. Et on peut s'en sortir. Vraiment, on peut vraiment, vraiment bien s'en sortir, wallah. Bon, très bien. Et donc toi, tu as fait quoi? Et aujourd'hui, où est-ce que tu en es? Alors aujourd'hui, moi, je t'explique. Donc du coup, moi, voilà, j'ai obtenu mon baccalauréat scientifique. Voilà, alhamdoulilah, ça s'est bien passé, etc. Par la suite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait 2 ans de classe préparatoire. D'accord. Vois, 2 ans vraiment intensives, mathématiques, vraiment, vraiment finance, ce genre de choses. Et après ça, j'ai rejoint l'une des écoles de commerce. Voilà, pour ceux qui connaissent HEC Paris, où je fais en fait HEC un programme grand... HEC Paris, ouais, c'est ça. De quelle origine t'es, frérot? Alors, je suis Tounsi. Bravo. On applaudit HEC Paris. HEC
voilà. Et tout ça, voilà. Attention. Juste, voilà, pour pouvoir. Juste pour toi, je te dédicace cette chanson. Je suis fils unique dans un hôtel particulier. C'est la croix, la bannière pour me substancer. Pas un arabe du coin, ni un euro marché. Auteuil n'y pas si, tel est notre ghetto. Là, ouais, voilà, ouais, voilà. C'est bien, frère. Voilà, c'est ça, très bien. C'est très bien, frère. Tout ça pour dire, voilà, que vraiment, même les frères, voilà, on n'a pas tous besoin de, d'avoir des familles de banquiers ou même, voilà, juste un baccalauréat scientifique. On montre qu'on a les crocs et voilà qu'on peut tous le faire. Hein. T'es à combien de, alors, t'es à quel niveau, là, frérot, là? Alors, moi, dans mon programme, là, actuellement, en fait, je suis en première année, mais c'est l'équivalent, en fait, d'un bac plus 3. Donc, bac plus 3, et sachant qu'il me manque 2 ans. Et cette année, voilà, pour te dire, à la fin du mois, à partir de juillet, on va dire, donc, du coup, on va aller sur un campus à Singapour, où cette fois-ci, on va pouvoir s'exercer dans des institutions financières comme JP Morgan, je ne sais pas si tu connais. C'est bien sûr. Banque d'investissement. Bien donc, sûr, voilà, bien sûr, bien sûr. Dans ce cadre-là. Hmm. Donc, comme quoi, ça peut être vraiment Inch'Allah. Un vrai tremplin. Un vrai, vrai, vrai tremplin, tu vois. Inch'Allah. Ouais. Non, donc, c'est pas rationnel dans les finances. Tu m'as dit quoi, frérot? Je t'ai dit Inch'Allah. Ouais, Inch'Allah, y'a la B. Donc, du coup, on verra. Ouais, voilà, faut le dire, quoi. T'as... Après, ils vont dire les Tutsis, nous. Ça t'est... Ouais, bah, vas-y, frérot. Ouais, donc. Tu vas aller à 5. Non, mais voilà, comme quoi, franchement, on peut vraiment tous le faire, quoi. Ouais. On peut vraiment, vraiment tous le faire. Et même, franchement, t'as beaucoup, beaucoup de Marocains dans ces écoles-là aussi. Bien sûr. Énormément de Marocains. Voilà, qui ont fait des grosses prépas au Maroc et qui viennent faire leurs années d'études, leurs années de finance. Tiens, voilà, tiens, alors, que vaut les prépas du bled quand ils viennent en France? Alors, les prépas du bled en soi, honnêtement, franchement, ça a une vraie valeur, il y a vraiment une plus-value, honnêtement. De toute manière, les écoles de commerce ici, on a franchement de vraies écoles de commerce comme HEC, etc. Et en fait, le fait que tu sois au Maroc, que tu sois même en Tunisie ou autre, tant que tu as fait une prépa et que tu as vraiment un bon niveau, que tu parles anglais, on a des tests en mathématiques et en logique, ce qu'on appelle un GMAT ou un TAJMAJ. Une fois que tu as tout ça et que tu montres vraiment que tu as les crocs, tu peux y arriver, tu peux parvenir à rentrer à HEC par exemple. Hein. Et t'en as énormément. Alors HEC, t'es rentré comment? T'es rentré par laquelle voie? Tu as postulé? Tu as eu... Alors quand tu as eu le bac voilà. S, est-ce que tu as eu une mention alors... ou... Ouais, alors j'ai eu mention bien au baccalauréat scientifique, voilà, que j'avais fait. J'avais pris option sciences de l'ingénieur à ce moment-là. Donc, je ne savais pas quoi faire. Mais ce que j'ai fait, c'est que je savais le minimum qu'il me fallait une prépa, tu vois. Donc, ce que j'ai fait, c'est que moi, je l'ai eu en 2019. J'ai fait 2 ans de classe préparatoire ECS. Donc, économique, commerciale, option scientifique. C'est les écoles... Il me prend pour un con, lui. Il me prend pour un con, lui. Économique, commerciale et quoi d'autre? Oui. Eh ben, renseigne-toi sur Internet, tu mets prépa ECS. Maintenant, c'est ECG, économique, commercial, général, avant, parce qu'il y a la réforme, mais avant, quand c'était en 2019, c'était ECS. Et t'as okay. Même ECE. Au niveau de la banque, là, JP Morgan, déjà, à l'université de Singapour, où tu vas aller? Elle a un nom? Alors, ce qui se passe, c'est juste qu'en fait, HEC, en fait, ils ont des institutions, en fait, où ils sont partenaires, en fait, avec des universités étrangères. C'est plus précisément à Singapour, à NUS. C'est une grosse okay. Université en finance. Et en fait, vu qu'ils sont partenaires, ben, ça te permet d'accéder à des grosses universités à Singapour où tu peux même faire un double diplôme avec Harvard. C'est pour ça que je te dis. Et JP Morgan, ces gros investisseurs, comment est-ce qu'ils se comportent là? Ils se comportent bien? Ils sont en forme? Honnêtement, bah, c'est très bien, forcément, c'est des institutions... T'es un menteur! Ils ont fait faillite, sale connard! T'es un menteur! Non, JP moi, Morgan ont fait faillite! T'es un menteur, sale con! Non, mais moi, ce que je te dis, c'est que par rapport à ça, certes, il peut avoir ça, mais aujourd'hui, avec les personnes qui font rentrer le niveau... Va te faire enculer! C'est une blague! Allô? Ouais, allô? Ouais, allô, Salem? Salem, ça va? Oh putain! Tu m'as ramené le mot? Est-ce que tu m'as ramené le mot? Est-ce que tu m'as ramené le mot? Quel mot? Ben le mot signé de tes parents. Tu veux me l'as ramené ou pas? Non, pas encore. Allô?
Allô? Ouais, allô, Bassem? Ouais, pourquoi quand je t'appelle, tu réponds pas, toi? Comment? Ah non, c'est pas toi, je me suis trompé. Non, oui, non, frérot, je t'écoute. Comment, je t'écoute. Ouais, je t'écoute. Tu vas bien? Bien, et toi, alhamdoulilah? Voilà, alhamdoulilah. Je veux dire, Bassem, déjà, Galat Nen, je suis comme toi d'abord. 08, big dédicace, KGB. Ouais, je t'écoute, mon ami. Tu es de Villefranche? Ouais, dis-moi. Et toi, en gros, je voulais me marier avec une Marocaine. Ouais. Et en gros, sa mère, elle était pas d'accord, en fait, parce que tu vois, je suis tunisien, ils disent qu'on n'a pas la culture et tout. Et qu'est-ce que t'en penses, toi? Écoute, si sa mère, elle a pas voulu, eh ben, ils sont d'où? Bah, de Villefranche aussi. Mais d'où, du bled? Du Maroc, c'est du Rif, c'est les montagnes. Bah, ils ont raison, non? Ou ils ont tort? Mais non, pourquoi pas? Et pourtant, on est des musulmans tous les deux. Je veux dire, toi, on a le même djinn, on a la même religion et tout, tu vois. Putain, je sais pas pourquoi, moi, j'ai du mal à vous croire, moi, en vrai. Moi, je sais pas pourquoi. Vrai. Hein? Non, c'est vrai, pourtant. Le père était d'accord, mais la mère, elle voulait pas parce que je suis tunisien. À Villefranche, où est-ce que t'habites, frérot? À Béligny, à Bellingue. Bellingue. Ok. Ouais. Y a quoi comme snack là-bas? Y a quoi comme snack là-bas? Fleck Pizza, tu connais? Ah, d'accord. Bon, bah vas-y. Très bien. T'es bien de Villefranche, je te crois. Où est-ce qu'on s'est vu, nous? Bah, à Fleck, on avait mangé une fois là-bas. Tu te rappelles pas? Pendant le mois du Ramadan? Dans le mois du Ramadan, on avait posé des tables dehors, on s'était posé. Très bien, je te crois. Ça y est, c'est bon. Ouais, exactement. Frérot, moi, pour moi, je suis pour, moi, Ah oui, absolument, frère. Après, y a des mamans, quand elles ne sont pas d'accord, c'est peut-être par rapport, elles pensent, voilà, tu sais, c'est très famille. C'est très famille, okay. Et moi, je te dis franchement, je suis pas con. Hein? Le père, il était d'accord, mais la maman, elle n'était pas d'accord. Elle n'était pas d'accord par rapport à quoi? Parce qu'on disait que, par exemple, ils disent, on n'a pas la même culture, on n'est pas pareil et tout. Elle en pensait quoi, elle? Bah, elle a dit, pensait quoi, c'est-à-dire? La femme avec qui tu étais, elle en pensait quoi, elle? Bah, en fait, sa mère, elle lui a posé un ultimatum, elle lui a dit, c'est soit lui, soit moi. Bah, après, ce qui est normal, qu'elle a choisi sa mère, tu vois. Elle est où? Tu m'as dit, elle est du Rif? Comment? Elle est du Rif, où? Je sais que les rives, c'est les montagnes au Maroc, mais je sais pas où précisément. T'es resté combien de temps avec elle? Un an et demi. Mais tu l'aimes pas, cette femme, toi? Comment? Heureusement que sa mère, elle a dit non. Mais pourquoi? Parce que tu sais même pas où elle est. Non, mais elle est du Rif au Maroc, je sais, mais après... Mais elle est où? Elle est d'où? Normalement, tu t'intéresses à elle. Tu t'intéresses à sa culture. C'est normal qu'elle a dit non, et elle a bien raison. Putain. Mais attends. C'est important, non? Ah, en gros, c'est Hoseima au Maroc, mais je connais pas très bien, moi. Voilà, ben il faut être... Normalement, voilà, tu connais le village à ta femme. C'est important, ouais, surtout pour eux, là-bas. Dans les montagnes, oui. Toi, de Tunisie... Alors, t'es de chez moi, toi, hein? Et Galatasnen. Ok. Et aujourd'hui, tu es plus avec elle, frérot? Bah non, j'ai coupé le contact avec elle. Depuis combien de temps? Voilà, ça va faire bientôt 5 mois. Y'a plus de news d'elle aussi? Voilà, rien du tout, frère. Ouais, ça en bat les couilles alors. Non, un peu? Ben non, c'est que frère. Voilà, après, elle voulait pas parce qu'on parlait pas la même langue, ce qui paraît, tu vois. Vous parlez pas la même langue, tu me prends pour un con là. Wallah, frère, tu parlais pas la même langue, mais frérot, mais je. Non, tiens, ça veut dire elle. Non, mais quand on. Écoute, la seule chose pourquoi je te crois, c'est parce que quand tu m'as dit on sort les tables et tout. Mais frérot, tu sais, quand on veut, on peut. La tête de ma mère, non, frère, quand tu vas demander la main, tu vas demander la main, tu montres que t'es un bonhomme, et surtout, tu viens avec une voix un peu plus grave, parce que là, faut faire un truc, frérot, tu vois. Voilà, tu t'affirmes, frère, tu viens la récupérer. T'es dans ton hack, si elle veut. Une fois, tu me dis non, c'est non. Donc toi, tu veux pas battre. Moi, dit non une fois, gros, ciao, après, t'as compris, moi, je reviens pas une deuxième fois. Qui t'a dit non? En gros, sa mère, elle m'a dit non la première fois. Bah, moi, c'est pas la femme qui t'a dit non. C'est pas la femme qui t'a dit non. Mais en gros, comme je t'ai dit, sa mère, elle lui a posé un ultimatum. Elle lui a dit, si tu le choisis lui, bah moi, tu m'oublies, tu vois. C'est que la mère, elle a dit à la fille. T'es parti la voir un peu, toi? La maman, ouais, je l'ai rencontrée. Je parlais avec elle. D'accord.
Elle t'a dit quoi? Voilà. Bon, on a discuté et tout, mais en gros, elle a pas voulu par rapport à ça, quoi, tu vois, parce que je suis pas marocain. Voilà, c'est tout. Voilà, okay. C'est juste pour ça. Ok. Bah, Inch'Allah, arrive, frère, essaye de reprendre contact avec elle et arrache-la. Arrache-la dans les principes, c'est-à-dire montre à sa famille que t'es quelqu'un de bien. Ah ouais, mais je vois ce que tu veux dire, je comprends. Après, si elle, elle aurait vraiment voulu, elle serait restée, je pense, non? Franchement, ouais, elle a parlé après sa mère, elle a essayé. Son père était d'accord, mais la mère, elle a voulu l'entendre, en fait. Comment ça, son père, il était d'accord? Je... Ouais, le papa, okay. Il était d'accord, mais la mère, elle voulait pas. Le père était d'accord, mais la mère, il voulait pas. Bon, ok. Bon, ok. Bah, écoute, frérot, c'est possible, hein, écoute. Ah, frère, frère, c'est tout, hein. Bon, bah, écoute, Inch'Allah, frère. Et aujourd'hui, est-ce que tu la vois encore? Ni visuellement, ni rien? Bah, rien du tout, frérot. Et tu cherches un peu après elle ou pas, frérot? Bon, là, au début, je te mens pas, j'ai cherché après. J'ai dit, laisse tomber, tu vois. D'accord. C'était comme un dingue, parce que... Ok, et tu... ouais, non, mais frérot, c'est tout à fait normal, Allah l'adim. Et vous, quand tu dis que vous êtes resté un an et demi, c'est-à-dire vous avez fait quoi? Vous avez fait des choses ensemble? Vous êtes parti un peu à droite, à gauche? Je sais qu'on a rien fait dans le haram, tu vois. Vous avez pris des week-ends et tout? On a fait des sorties, mais je sais qu'on a rien fait dans le haram, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire? En gros, je sais que j'ai pas couché avec elle ni rien, tu vois. Je voulais faire les choses bien. Mais voilà, tu l'as embrassé quand même un peu. Franchement? Ouais? Franchement, je te mens pas, non. Halaf wallah. Wallah. Mais tu lui as pris sa main, tu lui as... Ouais, je lui tenais la main, mais pas devant les gens. Chouma, ça se fait pas devant chez nous, tu vois, tu tiens la main du maïs devant les gens et tout au quartier, ça se fait pas. Bien sûr. Ah ouais, ben bien oui, sûr. Ça se fait pas, Raïb. Bien sûr. Raïb. Tes parents, ils la connaissaient? J'en avais parlé. Ils en pensaient quoi, eux? Bah, franchement, tu vois, j'ai 24 ans et tout, tu vois. Bah, ma mère était contente, tu vois, que, alhamdoulilah, tu vois, que j'allais me marier, que j'étais bien, tu vois. Je suis bien, tu vois. Voilà. Là, non, wallah, frérot, tu l'as respecté. Putain, wallah, l'adim, c'est chaud. Putain. Donc, t'es resté un an et demi avec elle? Vous avez rien fait? Bah, franchement, rien du tout. Vous voyez où, frérot? Est-ce que vous avez passé une nuit ensemble? Non, jamais. On faisait des sorties style au cinéma, bowling, tout, des trucs comme ça, tu vois. Miskine. Elle est camelle et tout, tu vois, mais j'ai rien fait dans le haram. Elle travaillait, frérot? Comment? Elle travaillait? Ouais, ouais, elle travaillait, t'es secrétaire médicale. D'accord. Et donc, tu sais, quand t'es resté un an et demi avec elle, toi, comment tu faisais, frérot, toi, en tant qu'homme? Comment ça, qu'est-ce que... Bon, y a jamais eu du frotti-frotta? Franchement, non, franchement, je respecte... Arrête, frère, au cinéma! Non, franchement... Sans faire exprès, elle met la main sur le popcorn, tu mets ton paf dedans! Non, vas-y, entre nous! Non, franchement, frérot, même pas, wallah, même pas. Comment, n'est-ce pas? T'es dans une voiture, la circulation, il y a de la buée sur les fenêtres, elle enlève les vestes, elle a les tétons qui pointent! T'es un homme ou pas? Je comprends pas, moi, je... Mais frérot, je te mens pas, on est des hommes comme tout le monde, mes frères, mais je faisais rien d'autre. Dis-le! Je vais faire comme Jean-Claude Van Damme! Dis-le! Je vais faire comme Jean-Claude Van Damme dans Bloodsport! C'est quand il fait « Dis-le !» à Chongli, Maté, dis-le que tu l'as fait. Vas-y, frérot, je t'écoute. Allez, un petit frotti-frotta. Allez. J'ai déjà fait des trucs avec des autres films, avec elle, jamais. Franchement, jamais. D'accord. Ok. Franchement, jamais. Bon. Après, j'ai déjà couché avec des filles et tout, je te mens pas. C'est la vérité, mais avec elle, j'ai jamais rien fait. Mais frérot, tu penses encore un peu à elle ou pas? Non, wallah, même pas. Franchement, c'est... Non. Et si tu la revois un jour? Bah, je souhaite tout le bonheur du monde. C'est tout? Au lieu de dire je vais aller me battre au front pour elle. Non mais frère, moi tu me dis une fois non, après tu vois ça me fait. Comment tu dis une fois non? Oh mon frérot, une relation ça se base sur l'adversité mon frérot. Une relation, il y a des oui qui veulent dire non et des non qui veulent dire oui. Attention! Une femme quand elle te dit non, peut-être qu'elle veut voir jusqu'à où tu vas. Après c'est les yeux qui manquent pas. Attention frère, mais t'es qui toi?
Si tu voulais vraiment, t'y vas, tu reviens. Conviction, tu rentres dedans. Et si vraiment tu vois, il n'y a rien, il n'y a rien. Mais au bout de la première fois, tu dis non. Qu'est-ce que ça veut dire, toi? Qu'est-ce que la femme, elle se dit? À la moindre facture, il va se barrer, le mec. C'est pas comme mais ça, là, frère. C'est pas pareil, frère. C'est pas pareil. C'est wallahi, tu veux pas, tu veux pas comprendre ce que je veux dire. Il y a un état d'esprit à avoir. Non, je comprends ce que tu veux dire. C'est dommage. Tu sais pourquoi, frérot? Wallah, frère de Villefranche. En plus, tu es de chez moi. Hakallah, frère, ça me fout les boules. Parce que tu l'as respecté. Vous vous êtes respecté. C'est dommage. Normalement, ça se finit en mariage. Même si sa mère, elle veut pas, je suis d'accord. Mais c'est à toi de la convaincre. Avec des actes, en étant là tous les jours, en forçant. Je comprends pas, frère. Ouais, c'est vrai, je vois ce que tu veux dire, c'est vrai, c'est vrai. Wallahi, ce que je veux te dire, c'est pour de vrai. Wallahi, frère. Le curseur sera ses yeux. Ouais. Sinon, même sa mère, à un moment, elle aurait fait la cuisine, elle se serait dit, je me suis encore embrouillé avec ma femme, avec ma fille aujourd'hui pour rien. J'en ai marre de voir ma fille comme ça. J'en ai marre de voir l'autre qui force. Allez, ramène-le, histoire de voir comment. Mais toi, la moindre difficulté, t'as été un rat qui a quitté le navire, frère. Toi, t'es pas un rat qui coule avec le saphir. Donc, sa mère, elle a raison. Wallah, elle a raison. C'est vachement dommage, frère. T'as le droit de penser comme ça, après, frère. Hein. T'as le droit de penser comme ça, mais attention. C'est que tu l'aimais pas vraiment, frérot. Frère, Non, oh, voilà, sinon tu remues ciel et terre. Tu remues ciel et terre, frère. Tu remues ciel et terre. Ah, mais frère, moi je suis pas comme ça, moi. Comme t'es qu'est-ce dit, que t'es pas comme ça? Non, mais c'est pas elle qui t'a dit non. Après, elle, c'est vrai que si elle a pas insisté, ouais. Parce que peut-être elle a vu que t'as pas insisté, elle voulait pas se mettre sa mère à dos pour un mec qui veut même pas insister. C'est normal. Ouais, bah tu comprends. Mais bon. Ah, je comprends, c'est normal. Donc, c'est comment te dire? C'est la loi des séries. C'est comme quand t'es avec une meuf, vas-y, je lui envoie pas de message, je vais attendre qu'elle m'envoie un message. C'est de la merde, ouais. C'est de la merde. Bah ouais. Le vrai amour, c'est quand tu sais qu'elle est aux toilettes, elle coule un bronze. Elle a même plus besoin de mettre l'eau. Elle a même pas besoin de mettre de la musique. Ou... On s'en bat les couilles. La porte des toilettes, il est ouvert. C'est ta femme, frérot. T'en bats les couilles. C'est ça le vrai amour. Ouais. Pas faire des manières pour un oui, pour un non, frère. Ouais. Ouais. Bon, bah écoute. Aujourd'hui, tu penses encore à elle un peu ou pas? Non, même pas. C'est vrai? Non, franchement, même pas. Je t'ai appelé en fait parce que tout à l'heure, j'ai croisé des gens de sa famille, tu vois, qui habitent encore à Villefranche. Ouais? Et tu vois, ouais, quand j'ai croisé son cousin et tout, tu vois, donc il me connaît, tu vois, on se parlait et tout. Et voilà, après, c'est juste comme ça, j'ai pensé à elle quand j'ai vu son cousin, mais sinon, sans plus, quoi. T'as pensé à elle quand t'as vu son cousin? Voilà, frère, parce que c'est lui qui m'a parlé d'elle, tu vois. Voilà. Il a le même boule qu'elle, ou c'est comment, frère? Exactement, parce qu'en gros, frère, c'est lui qui m'a parlé de sa zague, tu vois, après on a parlé d'elle. Ah, oh, mon Dieu, sur la vie de ma mère, j'ai pensé à son cousin. Je sais pas, moi, je vois sa mère, je pense à elle. Je vois sa cousine, je pense à sa cousine. Comment est-ce que tu... Il doit avoir le même lisse. Il doit avoir les mêmes mèches. Le même... Ouais. Ouais. Si lui m'a parlé d'elle, et voilà, quoi, c'est tout. Ouais, je comprends, frérot. Je comprends. Bon, bah écoute, Inch'Allah, frérot. Hein, on se dit à la prochaine, Inch'Allah. Non, faire un petit café à Bélin, Inch'Allah. À Villefranche. Inch'Allah, frère, je passerai. De toute façon, je dois faire un... Je dois faire 2-3 petites pubs pour les frérots là-bas. Je passerai là dans pas longtemps, Inch'Allah. Big dédicace, les frères de Villefranche. Bellini, Belleroche, bien sûr. Big dédicace à tout le monde. Voilà, là-bas, je sais que vous êtes des bons. J'ai passé 8 mois chez vous. Merde. C'était bien. Bon, bah écoute. Hein. Prends soin de toi à la prochaine, frérot. Bon, on est comment là-haut? Alors attends. Une spéciale dédicace, hein, on m'a dit. Ourti, Incendie et Léo Léo. Putain. Ils ont géré durant l'absence. Hein. Le modérateur, là. Ouais, bien sûr. Ouais. Bon, attends. Allô?
Ouais, allô, Bassam, ça va, tu vas bien? Ça va et toi? Alors attends, il y en a un, il me dit, ça me fait des semaines que j'essaye de t'appeler depuis des semaines, je vis à Londres, pourquoi tu réponds pas? Continue à vivre là-bas. Ouais, frérot, je t'écoute. Ouais, en fait, je vais te parler d'un petit sujet, c'est le sport. Ouais? Putain, il n'y a pas plus intéressant, vas-y, frérot. Bah, en fait, c'est une histoire de un peu de fou. Dis-moi, je t'écoute. Ah, allô, tu m'entends? Allô, je t'entends. Ouais. On a une deuxième personne avec nous, là, c'est ça? Ouais. Allô? Tu m'entends? Allô, les gars, je vous entends. Combien vous êtes? Oh, moi, je suis là, moi. C'est le mec. On est là. Vous êtes là, donc vous êtes deux. Dites, on est deux. Vous rendez fou. Donc, celui qui finit par 11, là. C'est celui que je t'ai appelé en second, Aïchik. Mets-toi sur le côté, on va revenir. Donc toi, tu veux parler de ce rôle. Vas-y, frérot, je t'écoute. D'habitude, c'est les femmes, mais même les mecs parlent de ce rôle maintenant. Allez, donc. Bah, en fait, c'est l'histoire de ma daronne, t'as vu. Et comment t'expliquer, genre... en fait, t'as vu, c'était à la fin du ramadan. Quand il s'est fini. Et ma mère est devenue un peu malade. Genre, elle commençait à boiter un peu et tout. Et genre, elle boitait, on ne savait pas ce qu'elle avait. Elle est partie faire des scanners, faire des radios, faire tout. Ouais. Mais le problème, c'est qu'il n'y avait rien du tout, tu vois. Et un jour, tu vois, je vois ma daronne comme ça faire la prière. Et d'un coup, comme ça, je la vois, elle parle toute seule. Et voilà, hein, ce que je vais te dire, c'est la vérité. Là, bah, c'est, non, là, mais voilà, c'est la vérité. Non, voilà. Tu vois ta mère boiter. Non, tu viens de jurer voilà dans semaine. Oh putain. Canard WC. Oh, n'importe quoi. Bon, ouais, donc elle boitait, c'est-à-dire frérot. Ben, en fait, elle est pas tombée, genre tu vois, elle a rien genre du jour en fait, c'est pas du jour au lendemain. Genre pendant une semaine. Genre, la blessure, elle se progressait, tu vois ce que je veux dire? Non, mais wallah, je te crois, frérot, mais de la manière dont tu l'as dit, ma daronne, elle boitait, on peut s'imaginer des choses. Elle a passé une soirée, Voilà, tu sais. D'où est-ce que t'as su que c'était du sroll, en fait, frérot? Bah, attends, bah, t'inquiète, je vais en venir. Et genre, elle boitait et. Un jour, quand elle faisait la prière, elle faisait assise. T'as vu, parce que voilà, elle pouvait pas faire debout, elle faisait assise. Et pendant 4 mois, elle boitait. 4 mois, elle boitait. Et un jour, elle fait la prière assise et tout. Et elle, au moment où elle fait salam alaikum, tu vois, quand elle finit la prière. Et là, d'un coup, frère, elle commence à parler toute seule. Quand tu rigoles, bah, c'est vrai. J'ai une question. Il y en a un qui t'a dit, est-ce qu'elle a dormi avec Mousse Diouf? Quoi? Est-ce qu'elle a dormi avec Mousse Diouf? Ah, vous êtes des bâtards, là. Non, tu sais qui c'est, Mousse Diouf? Non, bref. Non, bref. Et puis, c'était à la fin du ramadan, et donc? Non. En fait, à la fin du ramadan, c'est là où elle commençait à boiter. Du coup, elle boitait. Pendant 4 mois, ça a duré. Et pendant ces 4 mois, elle courait pour sa santé, tu vois. Radio, scanner, tout ça. Et un jour, elle faisait la prière. Et d'un coup, comme je t'ai dit, elle faisait... Au moment où elle finit la prière par salam alaikum. Et elle commence à parler toute seule. Mais genre, tu vois, je la reconnais plus. Tu vois ce que je veux dire? Zama, elle parle, mais je la reconnais plus. Ah ouais, tu m'entends? Elle a pris une autre langue ou elle a pris un autre ton? Ouais. Non, mais respectez les frérots! Oh les frérots! Non, mais attends! Oh les frérots! Oh! Respectez! On parle de sa mère là qui boite là! Et puis, toi, tu sais. Alors, est-ce que tu as pris peur, frérot? Ben, au début, wallah, oui, je te mens pas, frère, je la vois, elle fait la prière. D'un coup, elle fait salam alaikum, elle commence à parler toute seule. Et elle parlait en, tu sais, le langage arabia fasha,
tu vois, la langue en Arabie Saoudite. Ouais, le vrai arabe, quand, enfin, Voilà. Et elle commençait à dire quoi? Elle disait quoi? Elle dit, ouais, Anna Ismi Edouard, Anna Houel Malik. Je sais pas si tu vois ce que ça veut dire. C'est moi le roi? Il s'appelait comment? Edouard. Edouard d'Angleterre? Voilà, exactement. Et d'un coup, ta mère a été possédée par la cour royale anglaise. Mais là, frère. C'est du délire. Voilà, alors, donc, ouais. C'est ta mère qui t'a dit? Non, c'est pas ma mère. Ah, écoute, je vais t'expliquer. Elle finit la prière, et là, d'un coup, je t'ai dit, elle a changé de ton, et commence à dire, Anna Edouard, Anna Houel Malik. Genre, je m'appelle Edouard, c'est moi le roi. Je m'appelle Edouard et je suis le roi. Après, on peut dire Edouard Philippe, on peut dire putain. Et Ça se voyait que c'était un jeune, mon pote. Tu sais ou quoi? Non, mais un jeune, attends, excuse-moi. Je suis Edouard, je suis le roi. On peut penser à ça. Non, le roi des jeunes. Ah, le roi des jeunes, je suis le roi des jeunes. Ok. Ouais, elle t'a dit ça à toi? Dans les genoux, il y a les esclaves, il y a les rois, il y a les princes. Ouais, ouais. Ceux qui commandent et tout, tu vois. Ok. Eh ben voilà. Okay. Eh ben, lui, d'un coup, en fait, il dit comme ça, Anna Houel Malik et tout. Et Wallah al-Azim, elle se lève et elle commence à marcher normalement. Wallah al-Azim. Astaghfirullah. Elle commence à marcher normalement et tout. Et elle se dirige vers moi, et c'est le jeune qui me parle, et il me disait en langue arabe, je le dis en français parce que je ne sais pas le dire en arabe, et il me disait, t'inquiète, tu vas bientôt voir ta mère remarcher, il faut juste attendre. Et moi frère, d'un coup je prends peur, oh là là, je ne sais pas quoi faire, et j'ai pris mon courage à deux mains, vas-y, je commence à parler. Et je lui dis, ouais, Zama... Quand est-ce que tu vas la laisser remarcher? Quand? Et après, il commençait à me dire, Zama, attends, je vais bientôt sortir. Et quand il m'a dit, je vais bientôt sortir, c'est en mode, ouais, Zama, bientôt, ma mère va être dépossédée, tu vois. Et genre, je finis la conversation avec le jeune. Et genre, deux minutes après, elle s'assoit sur le canapé du salon et... T'es prêt à jurer? T'as juré, Wallah, que tout ce que tu as dit, c'était vrai, là? Wahaq al-Qur'an, tout ce que je te dis, c'est vrai. Wallah al-Azim. Donc, toi, t'as parlé à un genou dans le plus grand des calmes. Voilà, c'est ça. Mais j'ai fait... Et ta mère, pendant 4 mois, elle boitait. Voilà. En fait, je t'explique. Pendant 4 mois, elle boitait. 4 mois, elle boitait, elle partait faire des radios, elle partait faire des scanners, elle partait faire des IRM, elle partait voir les docteurs. Rien, il lui disait, tout le monde lui disait, t'as rien. Et subhanallah, un jour, il y a le docteur, il lui a prescrit un vaccin à faire. Et ce vaccin, elle a fait à la jambe où elle boitait. Et au moment où elle a fait le vaccin, ben genre, elle avait mal, mais de l'autre côté de la jambe. Genre, par exemple, elle avait fait le vaccin à la jambe gauche, et ben le lendemain, elle avait mal à la jambe droite. Incroyable, il a repoussé le... Voilà, en fait, le djinn, en fait, il était dans sa jambe gauche. Ouais, voilà, il était dans sa jambe gauche, et quand le médecin lui a prescrit le vaccin, qu'on lui en fait dans la jambe gauche, le genre là c'était un genoun Raoult. Non, c'est... Non. Non, mais c'est possible, hein. Wallah. Moi, j'ai vu une roquille un jour où c'est vrai qu'il faisait sortir par les jambes. Ouais, je sais pas. Ils sortent par les pieds. Ils sortent par les jambes. Mais attends, bah... Quand ils te dépossèdent. C'est pas fini. Écoute, et genre... Du coup, ben là, t'as vu, pendant 4 mois, elle boitait et tout... Et ben, après les 4 mois, quand ma mère a fini la prière et tout, que je commençais à parler avec lui, c'est là où j'ai su qu'elle était possédée. Bref, à partir de ce moment-là, elle commençait encore à boiter. Enfin, elle boitait toujours, tu vois. Et ça a duré 3 mois. Pendant ces 3 mois, il y a de la famille du bled.
je sais pas comment on peut appeler ça. T'as vu les femmes au bled qui sont déjà possédées? Il y a des femmes au bled qui sont déjà possédées, mais qui travaillent avec les genoux. Mais c'est pas des sorcières. Ouais, c'est des... Ouais, je vois lesquelles c'est. Ouais, je vois. Voilà. Eh ben, genre, ma mère, en fait, vu qu'elle est en France, elle a appelé sa sœur. Elle lui a dit d'aller voir cette femme qui travaille avec les genoux. Elle lui donnait de l'argent. Et en gros, envoyer ses genoux de la femme, elle envoie ses genoux chez ma mère pour comme ça, ils font sortir le genou qui est dans ma mère. Mais ils viennent comment? Par TGV? Par VTC? Non, mais frérot, un minimum. Mais j'envoie les genoux, on dirait que c'est des gens normaux. Va là-bas, vas-y. Aïchik, tu peux lui déposer ça avec toi. Prends-lui un sac. Mais Bassem, frère, c'est des genoux. Attends, d'accord, s'il te plaît. Il y a un second qui est avec nous, là? Allô? Ouais, il est avec nous ou pas? Je sais pas s'il est là encore. Ouais. Frérot, t'es avec nous, allez, vas-y, je t'écoute. Ça va? Alors, il y en a, il me dit, le 73, il me dit, mais oui, c'est comme ça, en fait. Il y a vraiment des gens qui envoient leurs genouns chasser les autres genouns. C'est du délire. Wallah, c'est ma propre mère qui me l'a dit. Wallah, c'est vrai. D'accord. Hubergine. Alors, reste avec nous, le premier, hein, l'homme qui murmurait à l'oreille des genouns. Le second qui est avec nous, je t'écoute, grand. Ouais, ça va? Bien, et toi? Impeccable, merci d'avoir un peu patienté avec nous. Dis-moi, sur quoi tu voulais rebondir? Ouais, je voulais rebondir sur le discours de Macron. Ouais. Concernant la troisième dose. Bien sûr. Et je voulais savoir, voir ce que tu en pensais et savoir si tu penses que ça sera difficile de cacher l'ampleur des effets secondaires du vaccin. D'accord. Dans les mois à venir, savoir ce que tu en penses. Ben, je pense que... On en a parlé, hein. Ça fait des mois qu'on parle de la troisième dose. La troisième dose, c'est uniquement pour niquer tous ceux qui ont fait des faux passes. Quoi qu'il nous en coûtera. Aujourd'hui, ils vont commencer par les plus de 65 ans, comme d'habitude, et ils vont baisser. Et la troisième dose sera obligatoire pour énormément de choses. Pour tout le monde. Parce que maintenant, la première dose, c'était pas dans l'esprit. La deuxième, maintenant, on a oublié. On est des amnésiques. Même du coup, pour voyager, on se vaccine. Non, pas une quatrième, une cinquième, non. Moi, je pense que la troisième dose, là, c'est justement pour finir les stocks de production qu'ils ont fait, pour faire payer aux gens et pour rembourser la crise qu'ils nous ont fait. Donc la tête de ma mère, la troisième dose est uniquement faite pour niquer les faux passes. Vous allez voir, il va avoir un pass sécuritaire à cause d'un faux pass sanitaire. Écoutez ce que je vous dis. Il y en a un, et je l'ai déjà dit, frérot. Est-ce que tu te rappelles? Je l'avais déjà dit. Il y en a un, il va faire une dinguerie. Écoutez, il va faire une dinguerie avec un faux pass sanitaire. Hein, c'est comme ça. Bon, d'accord, allez, on va faire une quatrième dose, parce que je pense que la troisième dose, là, non. La quatrième, par contre, ça va être la dose translucide. Ça veut dire qu'on aura des lunettes pour voir si t'as vraiment fait le vaccin. À travers toi. Et si tu ne l'as pas fait, tu rentres pas. Tu voyages pas. Moi, je pense. À mon avis. Mais bon. On verra ce que ça donne. Les lunettes vax, exactement. C'est très important. Toi, tu l'as fait la troisième dose? Moi, je ne me suis pas fait vacciner, moi. Tu t'es pas fait vacciner encore? Non, pas encore, non, parce que j'ai eu le Covid. T'as eu le Covid? C'est-à-dire j'ai un pass de 6 mois. T'as un pass de 6 mois. Est-ce que tu comptes le faire ou pas, toi? Non, je compte pas le faire. D'accord. Tu comptes pas le faire par rapport à quoi, frérot? Ben, je me dis, j'ai pas confiance. Parce que, enfin, comme il disait sur Pfizer, comme quoi la fin des tests était en 2023 et que la responsabilité, ben, c'était uniquement sur la personne qui voulait se faire vacciner et c'était pas Pfizer qui était responsable. Du coup, c'est bizarre. Même s'il y a des milliards de personnes qui sont fait vacciner. Mais je me dis que c'est louche, c'est bizarre.
Tu t'es fait. T'es vacciné le premier là? Le genou là? Non, je suis pas vacciné. T'es pas vacciné? Ça, t'es vacciné? Ouais. Moi? Oui. Oui, bah oui. Il est où le blême? Un jour, je me lève, je vais à la salle. La tête de mon père, je vais à la salle. Je vais à la salle de muscule, je regarde et tout. Ouais, t'as pas le droit de rentrer, faut le pass sanitaire, faut mes couilles. Quoi? Ah, c'est lundi, Zabi. Pec, biceps. Tu peux me laisser en qui? Non. J'ai attrapé la mort, j'ai dit, mais ça va être comme ça en vrai. Je suis parti. Un vaccin, l'après-midi même, j'étais à la salle. C'est de l'eau, la tête de ma grand-mère. Mais qui après, je sais pas si je l'ai fait ou pas, mais c'est de l'eau. C'est de la merde. C'est ouais, uniquement pour nous fliquer, on s'en bat les couilles. Le problème, c'est pas le vaccin, frérot. Les gens, ils s'arrêtent sur le vaccin avec les troubles, ce qui s'est passé. Là, regarde, au début, il y avait une mode. Oh putain, il a fait le vaccin, il est mort 3 jours après. Où c'est maintenant? C'est où? C'est où tous ces gens-là, là? Voilà, c'est un effet de mode. C'est tout! Moi, par Allah, c'est simplement pour pas me casser les couilles! Je vais faire le warrior en quoi, moi? Si tu fais le warrior pour de vrai, bah je sais pas, fuis! Là, tu vas te faire vacciner, t'es obligé. Bientôt, vous êtes obligé. Et tant que vous serez pas tous vaccinés, il y aura des doses et encore et encore et encore. Et puis, ça passe. Donnez votre bras, nique leur mère, on s'en bat les couilles, vous avez rien à craindre. Vous êtes qui, vous? On est qui, nous? La mort, elle est inévitable. On va tous mourir. Absolument tous. Mais là, le vaccin, c'est pour fliquer, c'est pour en leur faire plaisir, ni que leur grand-mère. Les gens, ils font les warriors avec les mêmes armes qu'eux. Je ne comprends pas, moi. Manifestation anti-vaccin. Moi, je sais pas. De quelle origine t'es, frérot, toi? Moi? Ouais. Marocain. Marocain. Si ta maman demain, imagine-toi, t'es avec moi. Si ta maman, t'es en France, ta maman elle est au bled, il lui arrive un truc de grave. Pour rentrer au bled, faut faire le vaccin. On a un avion dans 1 heure. Est-ce que tu le feras? Je le ferai, mais comme t'as dit, je le ferai sans le faire. Est-ce que tu. Hein? Je le ferai sans le faire. Mais tu vas faire comment? Bah, on est à l'aéroport. On est à l'aéroport. On dit, toi, faut faire le vaccin. Maintenant, là. Si tu veux aller voir ta mère qui est morte, ou ta mère qui est arrivée, est-ce que tu vas le faire, oui ou non? Mais t'es obligé. Voilà, c'est tout ce que je voulais savoir. Au moins, voilà. Et c'est, il t'arrivera rien, parce que tu vas avec le cœur, frérot, toi. La tête de ma mère. Donc, toute cette histoire des vaccins, frérot, on n'est pas intéressant pour eux, nous. On fait marcher l'économie, on est jeunes encore. Ils s'en battent les couilles. Il n'y a pas une histoire aussi de dire troisième dose pour l'élection, pour qu'ils se fassent comme si non, c'est la campagne de Macron. Non, c'est pas spécialement ça. Macron, il a déjà gagné son élection. Il n'est pas en campagne. Zemmour, il est en train de lui faire un lidouillet, là. Il a gagné les élections, putain. Aïe, il est réélu. C'est bon, il est réélu. Depuis qu'il y a eu... Tu sais depuis quand il est réélu, lui? Depuis qu'il y a eu les vax contre les anti-vax. Il est réélu. Cherchez même pas à comprendre. Voilà. En tout cas, c'est très important. Le second, le premier, là, frérot, on revient avec toi, là, au niveau des genoux. Oh, vous en êtes où, maintenant, là? Ouais. Ouais, j'en étais où? J'en étais... Du coup, je te disais, la femme là qui a envoyé ses genoux pour enlever le genou qui était possédé par ma mère. Et voilà, c'est vrai. Des genoux qui étaient possédés par ta mère? Ouais. Ou ta mère était possédée par des genoux? Les genoux de la femme du bled, celle qui était déjà possédée, eh ben, elle a envoyé ses propres genoux pour enlever le genou de chez Madaron. J'aurais trop voulu voir une embrouille de genoux. Comment il se tape? Non. Mais écoute. Boulette. Pendant qu'il se tapait. De genoux. Ouais. Mais voilà que pendant qu'il se tapait et tout, ma mère, elle me disait,
en direct, pendant qu'ils tapaient, elle me disait, ouais, ils sont en train de se battre le genou est droit et contre le genou de la meuf là-bas. Contre le genou Western Union. Frérot, voilà, je te crois. Mais contre le genou Western Union. Parce qu'elle envoyait ses genoux à une condition qu'il y avait à Western. Vrai ou faux? Ah, voilà, Bassem, frère, je te jure, ils font le tour du monde en un clin d'œil. C'est des genoux, frère. En 2-2, ils sont. Le genou Western Union. Ouais, putain, c'est incroyable, je nous n'ai les tous. Ouais, c'est la vérité. Et toi, t'as vu une embrouille entre genoux? Non, j'ai pas vu en direct, mais genre, par exemple, ma daronne, elle me disait, ouais, hier, les genoux de la meuf, et, ils sont venus pour arracher le genou qui était dans ma jambe, et en fait, il était tellement puissant qu'ils arrivaient pas, en fait. Ils n'arrivaient pas, ils restaient accrochés. Et après, bah, petit à petit, en fait, avec la ruqya et tout, ma mère, elle commençait à... La ruqya de Mounir Mounz. Il y en a un, il a dit, il y a eu une descente chez sa mère. Une descente de genoux. Ils sont venus en RS3, la plaque polonaise. Non, j'ai déjà entendu, wallahi, très sérieux avec toi, j'ai entendu déjà, oui, qu'il y a des gens, ils ont capacité, starfallah, à envoyer des... Tu sais, c'est genoune contre genoune, quoi, c'est du délire. C'est... Putain, moi, je connaissais fantôme contre fantôme. Ouais, c'est genre 5 ou 6 genounes, en fait, mais ils sont puissants. C'est pas des genounes, tu vois, et ils viennent pour enlever le genou qui est déjà possédé. D'accord. Et elle va comment, maintenant? Et ben là, du coup, ben, en fait, elle marche très bien. Et ouais. Elle marche très bien et avec en fait on s'est rendu compte qu'avec la ruqya qu'on lui faisait chez l'imam et tout ça, ouais. Il lui faisait parler le genou et tout et en fait on s'est rendu compte que c'était mon baron quoi qui lui a fait du sport en fait parce que vu qu'il s'était divorcé, en gros il a parlé, il a dit oui, je vais pas dire le blaze de mon daron, vas-y je vais dire par exemple Souleymane, t'as vu comme ça, je suis pas cramé. Pourquoi tu salisses ce nom? Non, je dis Souleymane. Non mais prends, alors à ce compte là, dis X, dis pas un autre prénom, ouais, t'imagines, tu caches celui de ton père mais tu salis les autres. Bah, y a les gens, ils retiendront que Souleymane, il a sroré une femme, genou contre genou. Non, dis X ou dis le blaze à ton père, merci. Ça n'a rien à voir, Zubby. Soit tu me dis son nom, ou soit tu me dis X. Donc. Vas-y, c'est bon, X. Vas-y. Du coup, en fait, voilà, et quand le genou, il commençait à parler, il disait, ouais, c'est X qui m'a ramené dans ce corps. Et en fait, le Raqi, quand il commençait à parler avec lui, il disait, ouais, pourquoi il a fait ça? Au début, ils ne veulent pas parler. Mais avec la Raqi, en fait, quand il souffre le genou, c'est là où il commence à parler. Et en fait, il disait, ouais, il m'a ramené ici pour pas qu'elle change de ville et pour qu'elle reste mariée avec mon père. Incroyable. Mais tu sais que, malgré que ton histoire, elle est drôle, tu sais qu'il y a des points où c'est réel. Hein. Il y a des gens, ouais, ils sont capables. Alors, un mec qui fait du sroor à une femme, putain, c'est fou. C'est fou, ça. C'est la vérité, wallah. Wallah, l'adim. Et ton père, il en pense quoi de tout ça? Ben, mon père, en fait, j'ai pas trop eu l'occasion d'en parler avec lui. C'est plutôt mon frère à moi, en fait. Moi, j'ai pas trop voulu m'aventurer là-dedans. Et ben, il niait, il disait que ma daronne elle était folle, que les genoux n'y mentent. Parce que c'est vrai, il y a des genoux qui mentent, tu vois. Mais ouais, c'est... voilà. Il y a des genoux qui... Mais Allah, hamdoulilah, je suis jamais tombé dans ces trucs-là. Moi, je les connais pas. Il y en a qui mentent, d'autres, ils sont bien habillés, d'autres, ils sont plus forts que d'autres. Vous connaissez ça d'où, vous? Moi, je comprends pas. Comment est-ce qu'on peut être aussi branché genoune? Il y a des gens, ils sont branchés, ils adorent ça. Ils adorent les histoires de genoux. C'est fou. C'est les rapides qui disent ça. En fait, ils disent qu'ils mentent, tu vois. Mais après, avec la ruqya, quand tu vois le genou, il souffre et tout, et à la fin, obligé, il lâche la vérité. Il ne peut pas, hein, tu vois, nier comme ça.
Et même du coup avec la raqiya et tout, le raqi lui disait ouais, il est où caché, où est-ce qu'il est caché le soir? Bref, comme d'habitude, le jeune ne veut pas parler, il veut pas parler. Et après, à la fin, il a dit, ouais, le sroor, il est caché, enfin, il est accroché à un arbre, bah, dans un cimetière. Dans un arbre, rien n'est plus terrible. Tu sais pourquoi? Parce que quand il est accroché à un arbre, à chaque fois que le vent fait bouger l'arbre, le sroor, c'est comme si tu appuyais sur un petit bouton. Il se met en mode on. Mais c'est pas des blagues, hein. On m'a toujours dit ça, moi. Pourquoi dans les arbres? Parce que c'est pour ça. À chaque fois que les feuilles bougent, le sroor, il agit entre guillemets. Astaghfirullah ya Rabbi. Et tu sais quoi, même grâce à ça, j'ai appris un truc, et bon, ça peut être marrant, mais wallah, c'est la vérité. Par exemple, tu as vu ma daronne, vu qu'elle est gnounée, quand par exemple elle marche dans la rue, elle croise par exemple une personne qui est gnounée. Ma mère, elle ne le sait pas. Mais wallah, c'est la vérité, wallah. C'est Ghostbusters. Tu veux me dire qu'elle croise des gens qui sont genoux? En fait, c'est les genoux qui parlent entre eux. Non, presque, c'est presque. Genre, le genou, en fait, il monte au cerveau de ma mère et lui dit, ouais, par exemple, cette femme, elle a un gène. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Tu sais qu'il y a des gens qui me disent, mais c'est vrai et tout, Bassem et tout. Incroyable. Mythe genoune. Entre genoux, en fait, ils se voient. Entre genoux, ils se voient. Mais une personne qui n'est pas genounée, elle ne voit pas la personne qui est genounée. Mais la personne qui est genounée, elle voit la personne qui est genounée. Ouais, il y en a, il m'a dit Meet Jnoun. Meet Jnoun, il se voit en Bluetooth. Tu sais, quand tu cherches un réseau, cherches une Non, Wi-Fi. Non, ouais, c'est vrai. Bon, bah écoute. Eh ben, bah, très bien. Bon, bah écoutez, les frères, on va finir avec vous. Merci beaucoup pour la troisième dose, là. Merci, Jnoun Land. Demain, on fera un jeudi de la poisse. Putain, on fera un jeudi de l'empoisse demain. Merci, prends soin de toi, on se dit à la prochaine, Inch'Allah. Mesdames et messieurs, seconde mi-temps, on ouvre le bar, hein. Ah, on met le paquet, on met le max, on revient dans 15 minutes.
Together.
Deuxième mi-temps, regarde. Alors ouais, mesdames et messieurs, big dédicace à vous, bienvenue chez nous, et c'est chez vous, c'est Radio Arlette, deuxième mi-temps. Je viens de mettre une photo du frère Naïm, l'Irakien de la radio, il a besoin de doigts, allez voir sur Snap, je viens de mettre sa photo, miskine, il a, il a la jambe dans le plâtre, il a pas l'air d'être bien, le frère Naïm, l'Irakien, un excellent intervenant dans la room. C'est quelqu'un qui connaît un peu des trucs bien. En tout cas, on fait des doigts pour lui. Frérot, il t'est arrivé quoi? Tu peux nous dire ce qui t'est arrivé? Des doigts, faites des doigts pour frère Naïm Irakien. Putain. Tiens, s'il est là, hein, tu nous dis, t'est arrivé quoi? Hein. Allô? Oui, salut Bassem, tu vas bien? Salut, ça va et toi? Ouais, tranquille. Je voulais savoir, Bassem, tu sais, j'entends un petit peu les différents intervenants et puis j'ai même vu sur certaines rediffs sur YouTube les intervenants qui passent. Et en général, bah, à quelques exceptions très, vraiment très, très rares, il y a 99%
de mecs justement qui sont rebeux et je voudrais savoir comment ça se fait qu'il n'y a quasiment aucun blanc qui t'appelle. Je te jure, devant Dieu, je prends les appels au hasard. Je te jure que quand je prends des numéros sur Snap, ah non, c'est mais les ça, gens je suis qui d'accord. Ça, je suis certain que tu prends les appels au hasard. Mais c'est juste que, apparemment, c'est une bonne question. Ce qui à 99%, ils c'est une bonne quoi. Question. C'est une bonne question parce que je sais que les blancs, entre guillemets, hein, c'est péjoratif quand je dis ça, mais on se comprend quand je dis ça. Je sais qu'ils me regardent. Je sais qu'on me regarde. Bon, après maintenant, je sais pas pourquoi, et c'est vrai. Et franchement, c'est dommage. Hein, c'est pas moi qui vais m'en plaindre, mais c'est dommage dans le sens où, ouais, et pourquoi pas? On n'a pas plus d'intervenants, c'est vrai que c'est une vraie question, mais c'est pas à moi qu'il faut la poser, je te jure. C'est plus à eux. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, moi, je sais qu'il y a beaucoup de... Moi, par exemple, moi je suis blanc, par exemple, moi, je te regarde de temps en temps, et c'est vrai que les intervenants qui appellent, à chaque fois tu leur demandes leur origine, à 99%, ils disent Tunisien, Marocain, Algérien, quoi. Mais je suis d'accord, mais sache que dans la room, ils sont là. Tu vois? Après, peut-être qu'ils se sentent pas concernés par le genre de débat qu'on peut avoir, peut-être, non? Je sais pas. Bon, après, c'est vrai que quand tu parles des dînes, non, mais il y a plein de sujets où ça concerne tout le monde. Moi, frérot, je pense pas que je suis... Franchement, pour être clair avec toi, je pense pas que mon discours, ou peut-être ma façon de faire les radios, ou peut-être comment je suis, je pense pas que ça freine les frères blancs. Il y a des chaînes sur YouTube qui ont fait des best-of, je crois, de moi. À plus de 500 000 vues ou des machins comme ça. Bon, je pense pas que c'est moi le blême. C'est peut-être eux qui pensent qu'ils sont pas concernés alors qu'ils sont concernés. Parce que les valeurs qu'on peut défendre, il y a des blancs qui l'ont. Et il serait bien que ça soit mis en avant. Tiens, moi, on m'a proposé à plusieurs reprises. Tiens, on m'a proposé à plusieurs reprises de faire des débats avec des gens qui sont un peu connus chez vous. Voilà. Ouais, des propositions très sérieuses. Hein. Après, pour certains, ça peut être une expérience intéressante. Pour d'autres, y compris moi, je vois pas l'intérêt, quoi. C'est quel message on aimerait bien transmettre en faisant ça, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Les papacitos, les crocs blancs, les moi j'ai rien contre eux. Ils ont leur valeur, ils ont. Ouais, mais frérot, ça serait intéressant. Pour quoi faire? Et c'est pour plaire à qui? On se ressemble en quoi? Pour plaire à qui? On s'en fout à qui plaire, c'est juste le débat qui est intéressant. Bien sûr, mais on se ressemble. C'est-à-dire, on se ressemble en quoi? Au niveau des valeurs, du respect, de la République. Ouais, bon, moi je montre que je suis un maghrébin qui a l'amour du Maghreb indéfini, mais qui sait être patriote français, parce que je sais que je suis né en France, moi. Je me mens pas à moi-même, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et en faisant ce genre d'intervention, ça serait pour moi rentrer dans un terrain qui n'est pas le mien. On peut avoir les mêmes valeurs, si on peut appeler ça les mêmes valeurs, hein, parce que lui, eux, ils sont peut-être vus dans un autre sens, mais bon... apparemment, mieux vaut avoir un ennemi intelligent qu'un ami bête. Donc, je préfère avoir ce genre d'ennemi intelligent qui te pousse vers le haut, qui te pousse dans le communautarisme. Je pense que c'est très bon. Que ce soit tes ennemis, hein, ils sont plutôt d'accord avec toi. Non, c'est quand je dis c'est mes ennemis, on se comprend. Et je t'ai pas dit c'est mes ennemis idéologiques, non. Mais il y a des Maghrébins ou il y a des gens... Voilà, j'ai pas besoin... Enfin, eux, ils ont pas besoin de moi pour leurs valeurs. Moi, j'ai pas besoin d'eux aussi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais après, ça peut être intéressant, mais ça peut être intéressant en quoi? À la fin, on va se dire les mêmes choses. Après, peut-être que ça peut être intéressant dans le sens où eux, ils ont une vision des choses, moi, j'ai la mienne. Et peut-être qu'en faisant un télescopage des deux, il y a des choses que eux comprendront. Parce que moi, les choses qu'ils veulent dire, moi, je les ai compris déjà. Moi, je les ai compris déjà, bien avant eux. À la limite, ça serait même plus intéressant que tu sois face à genre un Mélenchon, un truc comme ça. Non, attends. Non, j'ai pas la... Frérot, je suis pas un homme politique. Moi, j'ai pas l'expérience. La politique, c'est un métier. Moi, j'ai pas l'expérience d'être devant un homme politique qui a 30 ans de boutique. Moi, j'ai rien à voir avec ça. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Moi, je veux pas être, je veux pas être le calife à la place du calife entre guillemets. Moi, j'ai jamais été comme ça. Après, j'aime bien débattre avec les gens, et c'est vrai que faire des débats avec des gens comme ça peut être intéressant. Parce que moi, j'ai à leur apprendre, en toute modestie. J'ai à leur apprendre en leur disant que oui, il y a des Maghrébins qui sont fiers d'être Maghrébins, qui sont communautaires et qui aiment la France, qui aiment ce pays-là. Eux, ils n'ont rien à m'apprendre parce que moi, je suis comme eux. Ils s'entendront plus avec des Maghrébins comme moi qui sait qu'ils ne nous aiment pas et nous, on ne les aime pas. Mais on se respecte. Bon. Et moi, ce que j'essaye de transmettre comme message, c'est pas un message où Bassem, il se mélange avec vous les Blancs, non. Bassem, il respecte les Blancs. Il serre la main aux Blancs. Il les respecte. Mais c'est pas pour autant qu'on est là à prôner un tous ensemble. On sait qu'on s'aime pas, mais on se respecte, putain, non. Ouais, tout à fait, ouais. Mais, je mais te jure coup, que je te parle en vrai. Du coup, tu dis, c'est pas pour autant que... Attends, c'est plus ta phrase que t'as dit exactement, ce que tu viens de dire. Pourquoi, du coup... je sais pas, il y en a certains, par exemple, je sais plus lequel, il y a un mec, un homme politique qui prône la réémigration. Pourquoi, justement, du coup, tu vas pas dans ce terrain-là, plutôt que de dire on s'aime pas, etc. Enfin, je sais pas. Moi, parce que... Question que je sois raciste ou quoi que ce soit. Hein, non, mais il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Alors, quelle est ma logique, moi? Quand tu regardes la logique que j'ai... Attends, excuse-moi. Quand tu regardes la logique que j'ai, frère Blanc, écoute ce que je vais te dire. Parce que ce que je vais dire à travers toi, c'est la question que tu viens de me poser, des milliers de frères blancs se posent cette question-là. Mais elle est trop simpliste. Et en me posant cette question, t'as baissé le débat à un comptoir de bar avec une suze à 7h du matin. C'est dommage. On va essayer de le relever. Dans tous les discours que j'ai eus, je ne me suis jamais plaint. Par exemple, Henri de Lesquin qui parle justement de ce sujet, ce soit un comptoir de bar. Excuse-moi, je ne me suis jamais plaint de la France, bien au contraire. Je n'ai jamais prôné la réémigration. Absolument jamais. Parce que pour moi, on est tous français. Et bien administrativement. Et c'est peut-être ça qui fait chier. Parce que faut payer la note, grand. T'es quand la France a colonisé, je pense qu'elle le paye très bien. Ça veut dire que voilà, elle fait participer à l'économie et ce qui va avec. C'est une chose normale. Mais moi, ce que je veux te dire, c'est que moi, je suis d'accord avec toi. Ceux qui disent nique la France, ben qui se barrent. Je suis d'accord avec toi. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un qui prône la réémigration? Je suis maghrébin et je suis français. Je suis français, maghrébin. Ça veut dire que j'ai aucun problème avec ton drapeau, avec ton histoire et tout ce qui va avec. Moi, quand je vois un grand homme de ton pays, entre guillemets, je m'arrête et je chante. Chose que de nombreux blancs ne font pas. Ou ne font plus. J'ai aucun problème avec la France, bien au contraire. Et c'est ce que je dis à mes frères maghrébins. On est français avant tout. Arrêtez de vous mettre plus bas que terre en disant « Ouais, mais nous, on s'en bat les couilles qu'ils nous acceptent ou pas. » Ce qui est extraordinaire avec la France, c'est qu'il y a une loi. Et il y a une déclaration des droits de l'homme qui est un film de cul. La déclaration des droits de l'homme est le début du déclin de la France par rapport à moi. Tous les hommes naissent libres et égaux. Mes couilles, on n'est pas libre là-bas comme on est libre un peu là-bas. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc, on n'a pas besoin. Moi, ce que je prône, c'est qu'on n'a pas besoin de s'aimer. L'important, c'est de se respecter. Qu'est-ce que ça te gêne, toi, par exemple, si moi je t'aime pas? Je vis dans le même immeuble que toi. Je paye mon loyer, mon palier, il est propre. Bah, c'est bizarre. Jette les poubelles. De pas s'aimer alors qu'on se connaît pas, non? Je sais pas. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est ne pas s'aimer, c'est un grand mot. Ne pas s'aimer, ça veut dire ne pas être d'accord ou ne pas avoir la même vision des choses. Mais moi, ce que je veux te dire, c'est que est-ce que je te gênerais, moi, dans ton palier, si je suis comme toi, je fais pas de bruit, rien du tout. Est-ce que t'as besoin de mon amour? Voilà, t'as besoin d'avoir le respect. Le respect, c'est que je respecte ce que tu fais. Je fais pas de bruit quand t'es là. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc, quand on prône la réémigration... Ouais, si vous n'êtes pas content, rentrez chez vous. Mais chez moi, c'est où? Toi, mon frère,
toi. Je suis né. Ouais, mais là, à j'ai Lyon. L'impression, Bassem, que tu aimes la France sans les Français. Et tu peux pas aimer la France sans les Français. Absolument pas. Mais absolument pas. Qui t'a dit que j'aime pas la France? Absolument pas. Au contraire, non, le peuple que, français, j'ai parle. Dit que tu es, j'ai dit que tu aimes la France, mais on dirait que t'aimes pas les Français. Or, tu, mais pas du tout. Normalement, pas du tout. Normalement, t'aimes les ce deux, que pas. J'aime pas, ce que j'aime pas, c'est ce sentiment automatique de dire qu'on n'aime pas les Français ou on veut pas, absolument pas. Moi, je suis un Français qui aime tellement la France que je veux pas me mélanger à eux. C'est-à-dire, je veux pas me mélanger au peuple blanc. Je les respecte. Moi, je suis dans ma logique. Ma logique, elle est comme ça. De quelle façon, on n'a pas dit de se marier avec. Mais de me marier. Mais par contre, attention, je me mélange parce que je suis français. J'ai pas mélangé avec eux. Quand je chante la Marseillaise, je la chante comme un français. Je la connais par cœur. Je sais que c'est Rouget de Lille qui l'a écrit. Est-ce que toi, tu le savais? Oui, bien sûr, à Strasbourg, oui. D'accord, voilà. Donc moi, je suis au courant de tout ça. Je me mélange pas, là, je suis français. Demain, il y a une guerre contre un peuple musulman. Le choix, il est rapidement fait. C'est-à-dire ? Demain, c'est-à-dire, j'irai avec mes frères. Demain, la France est en guerre contre la Pologne, la Tchécoslovaquie, contre... Je rejoindrai les rangs. D'accord. Ah, voilà. Mais en tout cas, entre une guerre entre la Tunisie et la France, tu vas du côté de la Tunisie, quoi. Absolument. D'accord. Voilà. Absolument. Ce qui m'empêche pas que demain, si la France a besoin de moi contre Angleterre, contre les Suisses, je rejoindrai les rangs. Automatiquement. Ah ouais. Automatique. Le choix du cœur, frérot. C'est clair, moi je te dis les choses clairement, sur la tête de mon père. Moi je te dis, je suis français, fier d'être français. J'aime la France, je pourrais pas habiter ailleurs. Je connais la France profonde, je connais la France d'est en ouest. Je connais ses cultures. Je connais son grand cœur et son hypocrisie. Je suis français, je suis comme toi. Ce que je veux te dire, c'est que c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de Français qui nous suivent et ils savent que leur ennemi, c'est pas moi. C'est pas moi qui irais souiller le drapeau français. C'est pas nous. C'est pas les Maghrébins comme moi qui veulent pas se mélanger à toi et qui croient qu'ils t'aiment pas. Tu veux que je fais semblant de t'aimer, moi? Et que je te pisse dessus ouais, après. Mais par exemple, toi, tu as le droit de dire ça, Bassem, de dire oui, j'aime pas les Français, par exemple. Mais par exemple, si un Français dit ça, j'aime pas les Arabes, par résultat, il finit en prison, tu vois. Mais absolument pas. Moi, il a le droit de dire j'aime pas les Arabes. Moi, ça me gêne en quoi qu'il me dise ça. D'un point de vue légal, il a pas le droit. D'un point de vue légal, il a pas le droit. C'est considéré comme du racisme, comme on dit sale blanc. C'est considéré comme du racisme aussi. Mais moi, je m'en bats les couilles qui m'aime pas. Ou qui dit les Arabes, j'en ai rien à foutre, moi, de lui. Je ne le calcule pas, moi. Parce que devant la loi, je suis français comme lui. J'ai ma CNI, moi, je lui chie dessus, moi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. J'ai pas besoin de ça. Beaucoup. Et c'est là où peut-être que c'est parti en couille. C'est parce que dans France, on a besoin d'avoir ce sentiment où on s'aime tous et tout. On sait qu'on s'aime pas. On sait qu'il y a un blême. Moi, tu crois que j'ai pas la mort quand je vois tous ces petits connards de chez moi qui pissent sur la France? J'ai la haine. La France, c'est la mère patrie, frérot. Hein. Qu'est-ce que tu crois que je suis? Moi, je suis né à Grange Blanche. Hein. À Lyon 3e. Hein. Ouais. Je suis un pur lyonnais. Bon, j'ai fait mes écoles ici. Bon, voilà. Je m'intéresse à la France. La France, c'est mon pays. Au moins, je t'ai dit les choses clairement. Et crois-moi qu'on est beaucoup à penser comme ça. Moi, je suis pragmatique, frérot. Toi, t'es peut-être focalisé sur des choses qui en vaut pas la peine, mais ça le mérite d'être dit. J'aime la France. J'ai toujours aimé la France depuis que je suis né. C'est mon pays. Ma patrie, je respecte les institutions, je respecte les lois,
La tête de mon père, quand il y a la Marseillaise dans, lois, quand y a la Marseillaise dans le sport, compris, je me lève. Je me lève. Non, j'ai pas toujours respecté les lois, oui, quand je te dis ça, bien sûr. La délinquance, on en a fait. Mais tu m'as vu pisser sur le drapeau français. Tu m'as vu dire « nique la France ». Bah, il y en a très peu qui font ça, heureusement. Non, mais tu m'as vu ou pas ? J'ai fait de la délinquance. Bah conduite sans permis, bagarre après, en réunion, les stup. Comme ça, il y en a très, très peu. Voilà, donc moi, je te parle de ça. L'important, c'est ça. Tu m'as vu pisser sur la France, moi ? Absolument pas. Je te dis la vérité, moi. Les gens, il faut arrêter de tout confondre. Tu vois, moi j'aime bien, moi je suis heureux de vous voir dans vos groupes là. Vous êtes communautaires, vous êtes entre blancs. Mais vous parlez toujours de la même chose. Quel groupe exactement ? Des groupes un petit peu sur Internet. Mais vous parlez toujours de la même chose. C'est toujours de la faute des autres. Après, on peut dire que oui. Mais nous, on va vous montrer. Si tu veux, par exemple, je joue à des jeux vidéo, l'origine, ouais. Il y a plein de mecs de plein d'origine. Hein. Bien sûr, non, mais je te parle pas de ça. Je te parle des groupes un petit peu, comment ils sont entre eux. Après, moi, c'est bien. Moi, je suis lyonnais. On va dire que c'est le berceau du patriotisme ici en France. Ils ouvrent des salles de sport pour eux, ils entraînent leurs femmes. Qu'est-ce que tu veux que je dise à ces blancs, moi ? Tu veux que je leur dise quoi à ces blancs ? Oh, on est en France ! On est en France, on est obligé de s'aimer ? Dans les salles de sport, il y a toutes les origines. Non, mais t'as pas compris. À Lyon, il y a des salles de sport où ils sont entre eux. Ils sont entre blancs. Ah bon ? Ah oui. Et genre, s'il y a un rebeu qui vient s'inscrire à la salle de sport, ils vont le refuser. Mais le rebeu n'y va pas là-bas, parce qu'à Lyon, on se respecte et ben entre nous. On s'aime pas, mais on se respecte et ben entre nous. Qu'est-ce qu'on va faire dans leur salle de sport qu'ils ont ouvert que pour les blancs ? On les laisse tranquilles, ils sont entre eux. C'est quoi cette France où on est obligé ? Mais ils l'ont ouvert que pour les blancs, et alors ? Nous, à Lyon, ça nous dérange pas, on s'en bat les couilles. C'est quoi cette France d'utopie qu'on doit tous se mélanger ? Faire du sport à côté, ils veulent rester entre blancs, ils restent entre blancs. Ils veulent rester entre noirs, ils restent entre noirs. Mais ça, je pense que tu te fais une idée, une fausse idée. C'est pas eux qui veulent rester entre blancs, c'est toi qui... eux qui veulent pas les côtoyer, c'est tout, c'est différent. Pardon ? Ah mais toi, tu es lyonnais, toi. Je pense pas qu'un mec qui a ouvert un commerce pour gagner de la thune, il va pas accepter des arabes qui s'inscrivent et qui payent. Mais tu t'as pas compris, c'est une association. Une salle de sport, c'est pas tu payes, tu cotises pas. Ils ont entre eux un bar, un coin où ils se rejoignent. Ils traînent ensemble, c'est normal. Voilà, voilà. Ah, ok. Le problème, il est où ? Le problème, il est où ? Alors, il y en a, ils disent, Lyon, c'est le berceau de l'extrême droite. Non, non, non. Lyon, c'est le berceau de la résistance. Ne confondez pas tout. Et bon, après, tu n'es pas lyonnais, tu peux pas comprendre. À Lyon, ça nous dérange pas. On a une tribune où c'est que des blancs s'en bat les couilles. Ils ont dérangé quelqu'un ? Ils nous ont fait chier ? Non ? Pourquoi on va les faire chier ? C'est pour ça qu'à Lyon, on s'entend très bien entre nous. On s'entend très bien, mais de loin. De loin ! Ils savent très bien qu'eux, ils savent où ils sont. Nous, il y a le périph' autour. Il n'y a jamais eu de friction. Parce qu'on sait qui est qui. Il n'y a pas de problème avec ça. On s'est toujours respecté, nous. C'est quoi cette France où on est obligé de se côtoyer ? Explique-moi un peu. Bah, je sais pas, c'est à la base, les mecs de gauche, ils veulent que tout le monde se côtoie, on est d'accord, oui. Mais on s'en bat les couilles des mecs de gauche, moi je te parle de toi, tes convictions à toi. Bah, mes t'es capable. Moi t'es personnellement, si. Tu es capable de me dire rentrer chez vous. Association ou quoi que ce soit, mais enfin, moi ça me dérange pas qu'à côté de moi il y ait un rebeu, voilà, enfin. Mais moi, ça me dérange pas du tout qu'il y ait un blanc à côté de moi. Je comprends pas. Vous faites semblant de ne pas comprendre. Toi, tu crois que je marche dans la rue, je vois un blanc, je fuis. Je change de trottoir. Mais absolument pas. Vivre avec les blancs, on vit avec eux, c'est leur pays. C'est la moindre des choses, quand même. Moi, ça d'accord, me dérange absolument pas. Dans une association, quoi. C'est ça, absolument pas. Je les côtoierai où ? Moi, je les côtoie au travail, au sport. Mais quand je sais, moi, j'en connais des blancs qui sont dans cette association. Je les connais très bien. Des fois, j'en croise et tout en moto. Je bois des cafés avec eux, la tête de ma grand-mère. Jamais je leur ai dit je peux venir ou ils m'ont dit viens. Si on s'entend bien, c'est que le respect, il est là. On n'a pas besoin de se côtoyer. Après, okay. Tant qu'on peut se côtoyer, on se côtoie. Mais moi, perso, nous, on a nos limites. Et nos limites, elles sont claires.
tu verras jamais des gens dans certaines zones de la ville. On sait qu'ils sont là-bas, pas parce qu'on a peur, loin de là, absolument pas. Et ils le savent très bien. Mais parce que nous, on a appris comme ça. Ils sont là-bas, ils sont là-bas. Qu'est-ce qu'on va y foutre, nous? Eux, ils viennent où on est? Non, c'est pour ça qu'on s'entend très bien. Ok. Voilà. Donc, okay. C'est super important. En tout cas, ben, ce que je voulais dire, c'est que ben, ça serait cool s'il y avait des mecs, des blancs qui t'appellent pour, je sais pas, pour qu'il y ait un peu plus de diversité, un peu plus de trucs. Bien sûr. Mais sache qu'on la porte est fermée à personne. Et je vais te dire une chose. Et ce qui est dommageable, c'est qu'on peut parler des Renois aussi. Il y a peut-être des Renois qui n'osent pas m'appeler, que j'aimerais bien qu'ils soient aussi, dans l'antenne. Voilà, ouais. Voilà. Mais peut-être parce que, bon, et peut-être les positions, peut-être que, bon. L'important, c'est que tous les chemins mènent à Rome. Il n'y a pas beaucoup d'intervenants, mais vous écoutez la radio. La preuve, tu es avec nous. Bon, prends soin de toi, frère blanc. Ok, à bientôt. On s'aime pas, mais qu'est-ce qu'on se respecte? C'est le plus important. Force et honneur. Ouais, merci beaucoup. Ciao. Allô? Allô? Ah. Wesh, frérot. Ouais. Non, toi, non. Allô? Ouais. Allô? Ouais, tu m'entends? Ouais, frère, je t'écoute. Oui. Ouais, ça va ou quoi? Bien, et toi? Ouais, ça va, je l'ai. Je voulais te parler. Tu connais la ville d'Orléans? Bien sûr, je connais Orléans. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses de cette ville? J'ai connu Orléans en 95, grâce à un mec avec qui j'ai partagé la chambre au centre à Nancy, je me rappelle. Moncef Zerka, qui me disait tout le temps Orléans, la source, la source, la source. Il me dit, bah, c'est de la source ci, de la source ça, la source ci. Voilà. La source ci, la source ça et tout. Et je me rappelle, il jouait à Saint-Jean-de-la-Ruelle à l'époque. Ouais, c'est où il y a les vaccinés. Ouais, Saint-Jean-de-la-Ruelle. Voilà. Et d'après ce que j'ai compris un petit peu, j'ai découvert avec les réseaux et tout un petit peu qu'Orléans, ouais, c'est une ville apparemment. Il y a beaucoup de frères marocains là-bas. Hein, c'est une ville où ça travaille. Voilà. C'est une ville où ça travaille et tout. Et puis apparemment, j'en entends que du bien, moi. En fait, il y a beaucoup de jaloux dans cette ville. Ouais, mais il y a beaucoup de jaloux. Mais il y a des jaloux de partout, frère. Même à Lyon, c'est comme ça. Même à Lyon, c'est comme ça, frérot. Il y a des jaloux de partout. Alors, il y en a, ils me disent, Orléans, c'est le Paris de Wish. Putain. Ouais, c'est vrai. Vrai ou faux? Ah ouais? Ouais, c'est vrai. D'accord. On les appelle les chiens d'Orléans. C'est quoi, Orléans? Toi, t'habites à Orléans? Ouais, à Orléans. C'est quoi la première chose qui te vient en tête quand je dis cette ville? Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc. Ouais. C'est ça qu'il faut retenir. Bref, il y a des jaloux de partout. Toi, ils sont jaloux un peu de toi aussi, frérot? Oui, ils sont jaloux de tout le monde. Que t'es quelque chose ou que t'es pas ici, c'est des jaloux de toute façon. Tu t'es fait hagar, toi. Non. Si, tu t'es fait hagar. Si, un peu. Bah, ça ne fait pas hagar parce que tu connais le loup de la street. Allô? Allô? Allô, Salem? Allô, Salem? Allô, Salem? Enlève ton haut-parleur. Attends, j'enlève. Allô? Allô, Salem, dis-moi, je t'écoute. Oui, Salem, j'espère que tu vas bien. Ouais, ça va. Après, moi, je suis pas dans votre débat, là, comme le mec juste avant, tout ça, la France, français, pas français. Moi, en fait, ça rejoint plus le sujet du mec de tout à l'heure qui t'a appelé. Et c'est pour ça que j'ai insisté, parce que vraiment, les genoux, ça existe. Et moi, franchement, c'est mon mari qui m'a fait du sol. Je te le dis. J'ai trouvé 20 TikTok chez moi. 26. Wallah al-Azim, al-Qadim Islam. Donc moi, c'était juste pour parler et dire qu'il n'y a pas que les femmes, en fait, qui font ce genre de choses. On est en 2021, le monde part en vrille. Et on l'a que 26 têtes. 26 têtes.
Voilà la dîme, c'est ça. Et sans savoir. Mais c'est un tome! C'est une bibliothèque, bordel! Non, c'est. Quoi? C'est un musée, je t'ai dit. J'aurais pu ouvrir un musée, gars. Il t'a fait du trop par rapport à quoi, en fait? Bah, en fait, lui, à la base, ma mère, elle voulait pas que je me marie avec lui, tu vois. Parce qu'elle a eu, elle a entendu des choses sur lui, voilà. Parce qu'après, avant, voilà, il prenait de la coke, il vendait, enfin, il faisait des trucs pas d'un. Vas-y, je vais pas rentrer dans les détails. Ouais. Mais tu vois, tout le monde fait des erreurs quand on est jeune. Enfin, voilà. Après, il est plus âgé que moi et tout. Il a fait des erreurs plus jeunes. Moi, je lui ai donné sa chance. En plus, je l'ai connu, j'avais 21 ans. Donc, j'ai connu que lui. J'ai aimé que lui. Ouais. Donc, moi, j'ai tout fait pour me marier avec lui. Malgré le fait que ma mère ne veuille pas. C'est-à-dire que je me suis mangé la misère par rapport à mes frères, ma mère, parce que moi, je voulais absolument me marier avec lui. C'était vraiment mon but absolu avec ça, en fait. Pourquoi ? Pour quelle raison ? Parce que je l'aimais, en fait. Parce que je l'aimais. Pour moi, c'était l'âme de ma vie. Je sais pas, c'est comme ça. Tu sais, quand t'aimes, en fait. C'est, ça y est, c'est le hop, c'est le gulp, ouais. Comme on dit. C'est comme ça. Ouais. Tu vois, le mec, c'est un rebeu, c'est un musulman comme toi. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Genre, c'est un musulman, dans la même direction. Et puis en fait, il s'est passé quoi? En fait, tu es tombée amoureuse de lui, tu voulais te marier absolument avec lui, ouais. Tout en sachant qu'il était un peu dans le business, dans le. T'sais non, il avait arrêté. Il avait arrêté. Ah, il avait arrêté? Bon, alors on dédicace cette chanson à la sœur qui est avec nous. Tu vas pas l'entendre, tu l'entendras à la rediffusion, mais les gens ils vont comprendre. Donc on a une sœur qui est. Ouais, excuse-moi, je t'ai pas entendu. Je t'ai dit non, je suis pas tombée là dans voyou vu qu'il était plus voyou. Moi, une fois qu'il a voulu se marier avec moi, ça y est, ça faisait partie de son passé. Le souci, c'est ma mère. Quand elle a su son passé, elle dans sa tête, tu connais les darons, tu vois, surtout. Ouais. Nos mères à nous, à Arbillette, dans leur tête, ça y est, il a fait ça, il va refaire ça, enfin, elle a une mauvaise image. Tu vois ce que je veux dire? Et alors, donc, tu sais, quand tu dis que tu voulais absolument te marier avec lui, tu penses qu'il t'avait déjà fait un CTEB? On peut en retirer un des 26? Ouais, donc on va en retirer un. Ouais, donc on en enlever un. Il en reste 25. Bah, c'est un peu une chasse au trésor. Donc, voilà. Et alors, je trouve ça bizarre. Alors, comment est-ce que la relation, ça s'est passé avec lui? Vous avez fait un halal? Ouais, on a fait un halal justement. Vous l'avez fait où? À la base, elle voulait pas. Je me suis battue pendant 3 ans pour me marier avec lui. Finalement, mon grand frère, il a accepté. Ma mère, elle me parlait plus. Elle m'a jeté mes affaires. Mais mon grand frère, tu vois, il a 45 piges. T'as vu, c'est un baron. Il a voulu un petit peu fluidifier les choses et essayer de raisonner ma mère. Donc finalement, il a accepté. Ça a été mon mahram, justement. Moi, je ne suis pas partie. Je n'ai pas fui avec lui, tu vois. Je n'ai pas fait la khemja qui tourne le doigt à sa mère, à sa famille, comme une chienne, tu vois. J'ai vraiment attendu le consentement de mon grand frère. Et on a fait le halal, tu vois. Finalement, je pars à Paname avec lui. Et ça se passe super mal parce qu'au final, tout ce qu'il me montrait, parce qu'en fait, moi, je suis du sud et lui, il est de Paname, tu vois. C'est ça le truc. Tu pars à Paname. Vous êtes parti en RS3 ou en RS6? En quoi? En RS3 ou la RS6? La plaque d'immatriculation, elle était comment? Elle était française? Ah ouais? Donc, toi, t'es du sud, lui, il est de Paris. Vous vous êtes rencontrés où? À Paris, parce que moi, là-bas, je faisais mes études à Paris. Tu faisais tes études à Paris? Ouais. Et c'est une femme ou un homme, ça, là? Tu confirmes, hein, tu confirmes que tu es bien une femme. Pourquoi? J'ai une voix grave. Non, parce qu'il y a des... Ouais, un peu, un petit peu. Mais il y a aussi des mecs qui peuvent avoir... Ouais, il y a des mecs qui peuvent avoir la même voix que toi. Et puis... Bon, bref, c'est pas grave, même si tu t'appelles Roberto, hein. T'es milieu de terrain du Vasco de Gama. Hein, excuse-moi. Quoi, excuse-moi? Non, mais arrête, par là, je suis une femme et voilà que je suis en train de te raconter un truc de ouf. Et moi, je suis... On dit par Allah? Par Allah, l'Aziz. L'Aziz, parce que c'est ton pote. Moi, je vais à la messe, moi, sur la vie de ma mère. Non, Allah l'Aziz, l'Aziz, c'est un prénom d'Allah. Hein. Ah non, ok. Ok, très bien. Alors, revenons à Ktebland. À Ktebland. Hein. Comment tu sais qu'il y avait 26 Kteb? Au final, ma mère, elle avait raison. Parce que moi, ce que j'aimerais passer en fait comme message là maintenant, c'est voilà, écoutez vos darons, écoutez vos mères. En plus, c'est d'Aoutel Khir et Oumma d'Al Kubda. Elles sont.
quand il y a quelque chose, quand même elle te dit tu fréquentes pas Hedek, fréquentes pas ta copine Hedek ou ton pote Hedek, c'est qu'elle sente. Tu sais, c'est le kebda, c'est ta mère, elle veut ton bien. Tu vois ce que je veux dire? Mais ta mère, elle veut ton bien, mais t'as mis 3 ans à te marier avec lui? Ouais, j'ai mis 3 ans parce qu'elle voulait pas. Mais moi, je m'en suis rendu compte après, en fait, parce que je me suis dit, bah, en fait, elle avait raison sur toute la ligne. Elle me disait, parce que lui, il était jaloux, maladif. Enfin, il m'appelait à 3 heures du matin, mets la cam, alors que j'étais dans mon lit en train de dormir. Il me disait, non, retourne, va dire, allume la lumière, va dans le couloir, réveille ton frère, mais des trucs de mon petit frère. Des trucs réveille de ton frère! Ouais, genre, pour prouver que c'était chez moi. Genre, il est parano, genre, je sais pas comment te dire. Mais finalement, moi, j'ai compris que c'était la coke. Parce qu'en fait, une fois que j'ai habité avec lui, je me suis mariée. En fait, le mec, il tapait tout le temps. Il tapait tout le temps. Mais j'étais choquée. C'est ça que je lui ai dit. Je lui ai dit, moi, je veux pas rester avec toi. Et c'est là qu'il a commencé à me frapper, en fait. Il a commencé à me frapper. Et quand il prenait de la cam, il la prenait où? Il la prenait à la maison? Ouais, à la maison, ouais. Au bout d'un moment, ouais, c'est... En fait, lui, il s'est dit, ça y est, c'est de la clim. Elle s'est mariée avec moi. Elle est loin du sud. Elle est à Paname avec ma maman. Sa mère, elle lui parle plus. Donc, tu vois, sa famille, sont loin. Donc, maintenant, elle est acquise, en fait. Il ne me donnait même pas le double des clés. On s'était arrangé. Moi, je travaille, j'ai fait des études. Il m'a dit, à la base, avant de partir avec lui, il me disait, oui, pas de souci, tu travailles. Juste, je veux savoir où, je veux valider. Je lui dis, il n'y a pas de problème. Une fois qu'on est arrivé là-bas, il m'a dit, non, tu ne travailles pas. Il m'a dit, pour l'instant, j'ai pas envie que tu travailles. Enfin, il a commencé à faire le chicourt, tu vois. Chicourt, un Mac. T'es resté combien de temps avec lui? En tout et pour tout? Juste avant d'avoir fait votre halal à Las Vegas, dans le Nevada. Non, juste avant d'avoir fait votre halal, vous êtes resté combien de temps ensemble? 4 ans. 4 ans avant de faire un halal? D'accord. Ouais, 4 ans. Ouais. 4 ans, vous voyez un petit peu? Ouais, mais vu que t'habitais dans le sud et lui à Paris, vous voyez, vous restiez ensemble, donc vous dormez la nuit ensemble et tout, c'est ça? Ah non, moi je dormais pas chez lui, moi j'ai ma famille à Paname et tout, je le voyais la journée et je rentrais chez moi. Ah non, il n'y a pas moyen. Et même lui, il me respectait, après je vais pas te mentir. C'est pas un chien. En 4 ans, vous avez jamais rien fait? Bah j'étais dans le sud, on se voyait très rarement en fait. On avait Vous avez jamais rien fait? Non, on s'est galèche, tu vois, on s'est valeurs. Ouais, je vais pas te dire, Dana, on s'est pas touché, on a mis... Bon, allez, dis-moi la vérité, comme ça, si tu me dis la vérité, je te retire 3 Kteb. Il en restera que 22. N'importe quoi. Non, mais après, j'ai pas à dire qu'on a mis les distances derrière comme le Covid. Bien sûr que j'ai pas de mensonge, hein? Mais après, ça, c'est de l'ordre de l'intime. Ouais, c'est de l'ordre de l'intime. Donc, vous avez piné. C'est peut-être un Kteb. Alors, on va lui retirer 3 Kteb. Allez, c'est bon. On va lui retirer 3 Kteb. Ouais, bon, allez. Et à partir de quand, toi, t'as senti que ça allait pas bien? Et que tu pensais que... À partir de quand? En fait, moi, c'est vraiment... En fait, je sentais déjà notre relation. Je voyais qu'il était très jaloux, très possessif. Je sais pas comment dire, mes copines, il m'éloignait de mes copines. Alors qu'elle se défie bien, encore elle aurait des arguments, je peux comprendre. Mais là non, il voulait vraiment que m'éloigner. En fait, c'est comme s'il avait une emprise, je sais pas comment te dire. Et moi, je l'écoutais tout le temps. Je l'écoutais. Par exemple, j'allais au travail, je travaillais dans une agence immobilière, et il m'appelait genre toutes les, j'étais au bureau des fois avant de faire des visites ou quoi. J'étais au bureau, tu sais, je fais de la gestion locative, je suis encore au bureau. Il m'appelait tout le temps. Même mes collègues, ils me disaient mais c'est toxique, c'est pas normal. Et lui, il me disait mets la cam, même à mon boulot, mets la cam. Mais là, quand même, alors qu'il sait que moi, dans mon bureau, c'est une fille qui travaille avec moi. Donc, le patron, c'est quoi ce bonhomme, là? C'est vrai que ça doit être lourd. Ouais, ouais. Non, mais attends, Sam, c'est pas ça le pire. C'est que moi, à la fin, c'est que Tabla, moi, déjà, il m'a frappé. Donc, bref, les voisins, ils ont appelé la police, finalement, etc. Parce qu'il m'a frappé au début, je disais rien. Je lui disais, à là où j'ai un moque, parce que sa mère, je l'aimais bien. Je lui disais, j'ai pas envie de faire souffrir ta mère et de faire rentrer en prison. Donc, je vais pas porter plainte contre toi. Je vais pas appeler la police. Alors qu'il me frappait comme un bonhomme. Hein. Mais vraiment, des coups de coude dans le nez. Frappé pourquoi? Par terre. Parce que c'est un ouf. Genre, dès que tu lui dis, mais donne-moi les clés, au moins pour faire les courses. Pourquoi tu veux faire quoi dehors? Tu sors avec moi? Il me dit, tu sors pas toute seule. Je lui dis, mais pourquoi tu m'as pas dit ça avant? Pourquoi t'étais pas comme ça avant? Pourquoi c'est une fois que tu m'as mis à la maison qu'on s'est marié que tu changes, en fait? Pourquoi est-ce que c'est une fois que tu m'as eu que tu changes? Pourquoi? Ouais, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Non, je veux bien te croire. Non, mais je veux bien te croire qu'il y a des mecs qui sont comme ça, hein, sur la tête de ma mère. On a dit, je t'ai pas sérieux, t'as Allah. Je te jure devant Dieu, le mec il a changé du tout au tout. Mais le pire, c'est quand j'ai vu qu'il commençait à taper devant moi, je lui disais, mais t'es pas un. Et le mec il a même voulu me faire taper. Il m'a dit, tape-tu, parce que moi j'étais en dépression, dans le sens où j'étais triste que ma mère elle me parle plus, parce que j'ai une relation super fusionnelle avec ma mère, tu vois.
Et j'étais triste, tu vois. J'étais triste. Déjà, si ça avait été un vrai bonhomme, il t'aurait dit la première chose à faire, c'est qu'on va l'avoir. Ouais, mais ma mère, après, je vais pas te mentir, elle a été très, très virulente avec lui. Elle a et fait... alors et alors bah, et alors moi, et alors je voulais pas en même temps. Même moi, je voulais pas. Je et disais, alors oh. Moi, je pense qu'arrivé un moment, si ces conditions se créent, on laisse tasser le temps. Et arrive un moment, un vrai bonhomme, quand il sait que tu es fusionnel avec ta mère, il te rapproche vers elle. En te disant, après, même si tu vas toute seule, même si tu vas... Moi, perso, je t'aurais dit, même si tu vas toute seule chez elle, reprends contact avec elle. Un vrai bonhomme, il t'aurait dit ça. Sur la tête de ma mère. C'est vrai. Mais tu sais que c'est ce que m'a dit ma mère. Bah, tu vois ce que tu vas en dire, c'est exactement ce que m'a dit ma mère à la fin. Elle m'a dit, la canjara à Gilles. Elle m'a dit normalement, même ce beat ou même un bridge, même je ne veux pas. Elle m'a dit normalement, il dit ou il gabelle le nez. Elle m'a dit, il gabelle le nez. Il vient devant bien moi. Sûr, bien sûr, bien c'est sûr, bien sûr. C'est mais vrai. C'est évident, c'est évident, c'est évident. Wallahi, c'est évident. Moi, c'est ce que j'aurais fait. Moi, perso, surtout si je vois que la fille est fusionnelle, c'est important. Vas-y, va voir ta mère, mais Alish, elle veut pas me boire. Et puis moi, je me vengerai sur sa mère, la pute. Je me vengerai sur sa mère en mettant bien sa fille. Faut que quand elle va chez sa mère, elle ait les joues de Mafalda. Vous vous rappelez les gros joues des gros joues du Zeb. Comme ça, elle va chez sa mère, elle a la mort. Ouais, il y a un blême, et je croise sa mère dans un mariage. Oui, il y a un blême, et je vais voir sa mère, je lui dis bonjour, normal. Bonjour, Khalti. Tiens, même si elle a le seum, t'as quelque chose à dire? Tiens, regarde, la robe, le kaftan, allez, hop. Moi, je me vengerai comme ça, moi, enfin. Je pense, quoi. Bref. C'est vrai. Est-ce que tu penses que t'es en tort un peu, toi? Franchement, je te jure que je suis pas en tort et wallah adim que j'ai tout fait mon possible. Même lui, je l'ai aidé parce que lui, il avait un resto. Finalement, il s'est fait carotte. Le mec, il a pas payé, donc tahat bir en fait. Genre, il était en galère, il a eu des trucs de ouf. J'étais là, j'ai toujours été là. C'est moi qui m'occupais de ses courriers, ses trucs administratifs parce que lui, il fait des fautes, tu connais, il fait des lacunes. Bref, il a pas fait d'études. Bon, bref, ça peut arriver à tout le monde. Mais tu l'as pêché où, lui? Il a pas fait d'études. Il travaillait, non? Non, il n'a pas fait d'études, genre, non. Je t'ai dit, lui, à la base, il était dans la street, tu connais, il faisait ses trucs. À la fin, il a arrêté, il s'est posé, il a ouvert un resto. Finalement, le resto, il l'a vendu, mais il s'est fait carotte par un Égyptien. Il n'a pas vendu, il n'a pas payé, en fait, le mec. Il a carotte. D'accord. De quelle origine t'es, toi? Je crois que j'ai reconnu un petit accent. T'étais pas de chez moi, quand même, si, un peu? Non, moi, je suis chaouïen. Ok. Et lui, putain. Il est tunisien algérien. Non, il a faute. Moi, je pense que non. Moi, je pense qu'il y a des signes avant-coureurs. Il y a on a des défauts. Nous. Ouais, non, mais je pense qu'il y a des signes. Une seconde. Pardon, moi, je te coupe juste une seconde pour que tu comprennes le fin fond du truc, mais tu vas être choqué. Moi, c'est à la base, ce mec-là, pourquoi aussi il m'a plu? C'est parce qu'il m'a appris beaucoup dans le djinn. Il parlait beaucoup de djinn, tu vois, dans le sens. En fait, il m'a manipulé, il jouait avec moi-même les LRP, parce que moi, à la fin, moi, j'ai fait que des séances de LRP, mais laisse tomber. Mais si je te raconte les ktab, moi, en fait, c'est pas moi qui les ai trouvés. Écoute ce qui se passe. Donc, je t'ai dit, il m'a tabassé un moment et tout. C'est parti vraiment en vrai, et les voisins, ils entendaient ça. Et moi, je disais rien. À chaque fois, je lui disais par rapport à ta mère, parce que c'est vrai, j'aimais bien sa mère. Et je voulais pas la faire souffrir, tu vois, envoyer son fils en zone et tout. Enfin, je voulais pas, tu vois, qu'on en arrive là, en fait. Donc, je lui disais à chaque fois, là où j'ai un moque, tu vois, je ne ferai pas ça. Je dis, mais calme-toi, parce que moi, je vais pas. Et au bout d'un moment, je lui ai dit, je veux partir, je veux te quitter, en fait. Et lui, il n'a pas supporté. À partir de là, il a vraiment commencé à me taper, mais vraiment comme un bonhomme. Mais quand je te dis comme un bonhomme, c'est-à-dire que j'ai la cloison du nez, elle est dégée, je me suis fait opérer. Ouais, mais attends, excuse-moi, je pense qu'il. Voilà, je pense qu'excuse-moi. Donc, on passe de. Il voulait m'apprendre dans le djinn, il a le nez dans la coke, à la Ouija Oma. En fait, ouais. C'est un parcours de merde, quoi. En fait, c'est. Ouais. Bon, bah alors, écoute, ouais. Moi, il m'a manipulé. Ah, il t'a manipulé, ouais. Il t'a parlé de djinn et toi, tu t'es fait avoir, toi. T'as un mec, tu l'as vu dans la rue, il faisait du business, il parle de djinn pour te niquer et toi, tu t'es fait avoir. Mais je t'ai dit, elle a arrêté. Il faisait plus. Il a arrêté quoi? Mais ma cousine, il a arrêté. Tu l'as vu, Redem? Il soudait des rails dans les trains quand tu l'as vu? Quand tu l'as vu, il travaillait ou pas? Ah, il avait un resto? Ouais. Oui, il avait un resto. Là, sur Paname, il avait un resto. Et il l'a vendu justement un an avant qu'on se marie.
parce que voilà, ça l'a saoulé, c'était pas son truc, il y avait trop de machaque. Il l'a vendu, mais il l'a vendu et il s'est fait carotte la relève. Donc en fait, c'était que de galères pour lui. Et il m'a dit, c'est bon, moi, si je vais partir en couille, il faut que je me pose. Il m'a dit, je t'aime. Il m'a dit, ça fait des années qu'on est ensemble. Il m'a dit, voilà, on s'entendait bien, je vais pas te mentir. Il avait un resto, il avait un snack. Non, non, il avait un resto, en vrai. Resto. Ah ouais. Ouais, un vrai resto, ouais. Mais le souci, c'est pas ça, c'est qu'ensuite je vais. Donc voilà, il m'arrive ça, les voisins, forcément, ils entendent tous les jours, hein. Ils appellent la police, ils font quoi? Ils m'ont dit, moi, à chaque fois qu'ils viennent, je leur dis non, il s'est rien passé, c'est juste une embrouille. Ils me disent, mais vous saignez? Je dis non, parce que c'est moi, je me suis pris la porte. Tu vois, je trouvais des excuses, parce que je voulais pas qu'ils m'emmènent. Au final, au bout d'un moment, tu vois, même sa mère, elle est venue me voir. Je te cache pas, hein, même ses frères. Et ils m'ont dit, écoute, tu peux pas continuer comme ça. Parce qu'ils ont vu mon état. Ils ont vu dans quel état j'étais. Et en fait, lui, quand il montait, il est venu dans l'appart et la police, il l'attendait en bas. Parce que ma voisine, elle a appelé la police, elle a dit, si vous bougez, il va la tuer. Parce que moi je voulais partir, en fait. J'ai pris ma décision. Et lui, il m'a dit, je vais me déclarer à bas. Il m'a dit, je vais tomber dans les champs, je vais te tuer aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Il était capable. Il y en a un, il a dit, c'est le dindon de la farce. Bon, ouais. Donc, toi, quand il te frappait, mais il te frappait pour quelle raison? Il me frappait parce que je voulais le quitter. Tu voulais le quitter par rapport à quoi? Au niveau de la vie, tous les jours, il ramenait... Non, enfin, tu travaillais, donc vous payiez à deux moi, et tout le reste. Il ne me laissait pas travailler. J'étais enfermée. Je sortais qu'avec lui. Il me dit, tu sors avec moi. Je lui dis, mais pourquoi, avant qu'on se marie, avant que je vienne habiter avec toi, tu ne m'avais pas dit ça quand j'étais dans le sud? Pourquoi tu m'as pas qu'est-ce qui te... Dis-moi ce qui te gêne, par exemple, toi, quand il te dit, tu sors qu'avec moi. Moi, ça me gêne pas, mais laisse-moi travailler. J'ai fait des études. Moi, je te dis pas un travail de pute ou de travail la nuit. Moi, je travaille dans l'immobilier. C'est un truc qui fait quand même ça rapporte. T'es là, t'es dans un bureau. Enfin, il n'y a aucun souci. Je sais pas, c'est un khadma propre. C'est halal. C'est un khadma propre. Sur la tête de ma mère. Bon, c'est pas le cas. Mais sur la tête de ma mère, moi, je sais pas. Moi, je suis concerné par ça. Je te pète les jambes. C'est simple et net. Mais moi, je te frapperai pas. Moi, non, mais moi, je te frappe pas. Moi, je te frappe pas, mais moi, je te frappe pas. Mais moi, une femme, si j'ai les moyens que ma femme ne travaille pas et elle me dit comment je veux travailler en agence immobilière, je te dépose comme un sac poubelle, moi. Je m'en bats les couilles. J'en prends une autre, hein. La tête de ma grand-mère. Il avait pas les moyens. Bon, bah, s'il avait pas les moyens, c'est autre chose. S'il avait pas les moyens, c'est autre chose. Mais si toi, t'as fait des études et si au début, il t'a dit. Voilà, si au début il t'a dit ça me gêne pas après que ça l'a gêné, oui, t'as pris en traître, oui. Oui, c'est exactement oui. Ça, c'est ça, c'est la traîtrise en fait, c'est ça que moi j'ai pas accepté. Parce qu'en fait il m'a chié, tu vois ce que je veux dire? Comment tu peux dire à quelqu'un oui, moi, ok, pas de problème, c'est cela. Tu vois, on va sur une direction de vie où avant de se marier, on s'impose des choses, on discute. Donc moi je vais faire ça, il me dit oui. Par contre, il me dit ça, je veux pas. Je lui dis d'accord, il n'y a pas de problème, mais toi aussi, moi je veux pas que tu fasses ça. Tu vois, on discute, on est un couple. Pour que tout se passe bien. Mais au final, le mec, une fois qu'il te ramène à la maison, à 1000 km de chez toi, il sait que tu es en conflit avec ta famille, parce que ta famille, à la base, il ne voulait pas de lui. Toi, tu t'es battu avec ta famille pour être avec lui. Et au final, il te fait ça. C'est quoi? C'est un fils de pute. Hachamon, mais franchement. Non, franchement, écoute, pour faire une musique, il faut avoir deux sons de cloche. Et je me méfie, de moi, des femmes, surtout celles du Sud. Allez, cagole! Non, ce que je veux dire, c'est que. Tranquille. Ouais, les grosses cuisses, les claquettes Birkenstock. Ah, les décolletés devant les papes, ouais, c'est ça. Pff, ouais, c'est donc, ça à Marseille, ouais, donc, je sais pas où, mais bon. Non, donc, et puis, non, wallahi, sur le fond, je suis tout à fait d'accord, ce que t'as dit, c'est intéressant, avant de se marier, il faut parler, de savoir qui va faire quoi, bien sûr, je suis d'accord avec toi, mais dans ton discours, c'est un peu Elvira de Wish, quoi, tu vois ce que je veux dire, c'est un peu, tu vois. Elvira de Wish, pourquoi Elvira de Wish, moi, non, mais on... je savais pas qu'il prenait de la coke. Je savais pas. Attends, tu savais pas. Mais tu peux me avec lui quand même. Moi. Mais non. Mais tu sens le comportement. Je sais pas, je connais pas moi. J'ai pas côtoyé des gens qui prennent de la coke. J'ai jamais pris de la coke. Je connais pas. Je sais pas. Mais quand tu l'as vu la première fois prendre de la coke à la maison. Mais j'étais choquée. Mais j'ai eu un. Mais t'es restée avec lui. Je suis restée avec lui, ouais, au début, ouais. Je suis restée avec lui, ouais. Parce qu'il me disait. Donc tu prenais de la coke normale. Il me disait, j'ai trop de pression. Il me disait, je sais pas quoi. Là, on sort d'un accident. Parce que lui, il est venu me chercher dans le sud. T'as vu, après, je vais pas te mentir. Il est venu. Il a porté ses couilles, tu vois. Il a fait les choses. Mais, il avait dit, son restaurant. Il avait son restaurant quand il prenait la coke, quand il commençait. Je t'ai dit, il l'a vendu un an avant qu'on se marie. Ah, d'accord, ok.
Ok. Donc voilà. Mais bon, après, écoute, moi, c'est pas ça qui m'a le plus choqué. C'est qu'ensuite, après, quand il est. Parce que les voix. Je t'ai dit, il a commencé à insulter la police, il leur a dit je vais vous casser les jambes, vous êtes soumis aux femmes. Bref, moi, j'appelle ma mère. Parce que voilà, je commence à pleurer, j'appelle et tout. Elle me dit si tu portes ta plainte, elle me dit moi, t'es pas ma fille et c'est fini. Elle me dit regarde ce qu'il t'a fait. Elle me dit t'as vu? Elle me dit shifty good luck. Elle me dit je t'ai prévenu, je l'ai pas senti. Elle m'a dit un amour que je te veux ton bien. Elle m'a dit Hadek, déjà comment il te parlait au téléphone, comment il criait, comment il était. Elle m'a dit moi, j'ai senti qu'il n'était pas, c'est pas quelqu'un pour toi. Et tu m'as pas écouté. Elle m'a dit si tu portes ta plainte, moi, c'est fini. Donc moi, j'ai pas perdu ma mère une deuxième fois pour un. Pour un bâtard qui m'a frappé. Même lui, il m'a dit prendre la. Quand j'étais mal, je pleurais, il me disait prendre la coque. Il me disait essaye. Je lui ai dit mais t'es mon mari, tu me dis de prendre la coque. Mais Wallah, quel fils de pute. Mais quel Wallah, fils de pute. Wallah, de mais toi aussi, un petit peu, ma cousine, dans ta vie, t'as dû être sûrement une pute, un petit peu, pour tomber sur ce genre de fils de pute, non hashtag. Non, mais entre nous. Si j'étais une pute, je serais pas restée bloquée sur un mec pendant des années, alors que j'aurais pu me marier. Par Allah, je suis choquée. Qu'un mec propose à sa attends, femme, frappe dedans. Putain, le respect. Tu veux que putain. Je te choque encore plus? Tu veux que je te choque encore plus? Est-ce que tu veux que je te choque? C'est la dernière péripétie. Ça y est, j'arrive à la fin. Là. Le pire, ma mère, après, elle me dit ça. Elle me met un coup de pression. Elle me dit, ouais, tu portes plainte aussi. Mais moi, ce qui t'a fait, elle m'a dit, moi, je peux pas. Elle me dit, déjà, je le hais. Elle m'a dit ce qui t'a fait. Parce que moi, je voulais pas porter plainte. T'as vu, je pas une. Bah, moi, je voulais qu'on se quitte. Il fait sa vie, je fais ma vie. Et ça y est, salam alaikum. Elle m'a dit, non, ce qui t'a fait, il doit payer. Et elle a raison au final, parce que quand j'ai réfléchi, moi j'étais encore un petit peu emprise, tu vois. Malgré me frapper, voilà que c'est de l'emprise. J'avais encore des sentiments et je voulais pas qu'il aille en zone, je voulais pas lui faire de mal. Elle m'a mis un coup de pression, j'ai dit ma mère, elle a raison, finalement. Et j'ai porté plainte. Il a pris du ferme, tu vois. Il est rentré à la rade ? Ouais, il est rentré à la rade, bien sûr, parce que j'ai eu 30 jours d'ITT. 30 jours d'ITT ? Wallah, la que j'ai eu. Il a fait combien de temps ? Il a pris, en fait, lui, entre-temps, il a fait une carte MDPH pour Belhani, pour niquer le système, genre, tu vois ce que je veux dire? Par rapport à ses problèmes de justice d'avant, tu vois? Mais qu'est-ce qu'il t'a fait pour 30 jours, mais 30 jours? Oh, tu sais qu'au-delà de 8 jours, surtout en ce moment-là, ce qui tombe, surtout en ce moment, avec la loi de Chapia, mais wallah, mais ils vont vous casser le cul. Oh, mais non, tu sais c'est quoi lui qui l'a aidé? Tu sais c'est quoi qui l'a aidé? C'est sa carte MDPH et c'est l'expert psychiatre qui a reconnu qu'il avait une pathologie. Et c'est ça en fait qui a fait... D'accord, il a... Combien de temps il a fait en ferme? Je t'ai dit 6 mois. Il a pris... En fait, il a pris 6 mois, 3 ans probatoires et 5 ans de sursis. Putain. Mais là, il est encore en 11, là. Ah, il est encore en 11, là. Ouais, ça s'est passé récemment. C'est pour ça que moi, je suis choquée. Et je voulais en parler. Je voulais en parler et mettre en garde les filles. Dire aussi à vous les hommes qu'il n'y a pas que les femmes qui se harcèlent, qu'en 2021, hacha les hommes, t'as vu, il reste des hommes, heureusement, il y a des bonhommes, mais voilà qu'il y en a, c'est des gros fils de pute, ils jouent avec la religion, en fait, ethnique, mais moi, justement, ma mère, elle monte, et moi, je pensais jamais, j'aurais pensé que lui faisait ça, en fait, parce qu'il me parlait tellement de Dieu, Rasoul, salam, il a dit ça, il regardait des photos sur Internet, donc, on était là, il faisait la dans le lit, non, il la faisait pas. Ouais, bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais attends, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ma cousine, oui, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ma cousine, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Demain, moi, demain, l'Amra, moi, par exemple, demain, l'Amra, je sais que je ne suis pas un exemple dans le din. Elle a le voile. Et c'est elle qui me poussera à le faire. Exactement. Quand je la verra. Moi, je voulais faire. Quand je la verra. Le jour où je la verrai. Et ben voilà, moi, le jour où je la verrai avec, je me dirais, bon, allez, c'est top. Tu sais, quand je dis ça, c'est que je n'attends pas après, mais je sais que déjà je fais et tout le reste, alhamdoulilah, bien avant avec tous les défauts que j'ai. Mais comment est-ce que tu peux dire. Après, tu me dis, toi aussi, t'étais pas dans le. Mais... Le mec, il te parlait du. Oui, il te parlait de ça avec le nez plein de farine, quoi. Enfin, bon, bref. C'est 30 jours, il y a l'effort quand même. Tu vois, je l'ai pris avec ses défauts. Et je me suis dit, c'est moi qui vais l'arranger, c'est moi qui vais le remettre sur le doigt, c'est moi qui vais faire en sorte que moi, je vais lui ramener une stabilité. Donc, tu vois, les gens qui côtoient ce qu'ils faisaient avant, une fois que moi, je suis avec lui à la maison, et que voilà, c'est moi qui vais lui donner une stabilité, c'est moi sa femme. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est dans cette optique-là, de le sortir de là, parce que moi, je ne l'ai pas jugé. Je me suis dit, là, allez, lui, il arrive des trucs dans sa vie. Il a eu ci, il a eu sa belle, qu'il est tombé là-dedans, mais moi, je suis sa femme, je vais le sortir de là. Donc, il a ses défauts, mais c'est ce qui fait son charme.
C'est pas ce qui fait son charme. Ouais. Personne n'est parfait. Personne n'est c'est parfait. Vrai. Non, mais wallahi, je te crois. Wallahi, tu sais quoi ? Moi, dans tout ce que tu dis, j'essaye de filtrer un petit peu. Parce que, évidemment, l'idéal, c'est qu'il aurait été là pour. Voilà. Parce que pour faire une musique, hein, faut deux sons de cloche. Donc là, on en a un. Mais ce que je veux te dire, c'est que, à partir du moment où tu l'as vu prendre de la coke. Ah, écoute, à partir du moment où tu l'as vu prendre de la coke, et t'es resté avec lui. Mais justement, mais tu comprends pas que j'avais même pas le double des clés. Je pouvais même pas sortir. Le mec, c'était comme une séquestration. Et j'avais mes deux chats, je les ai ramenés du sud. J'avais toutes mes affaires, j'avais ramené mes là, toutes mes affaires. Donc en fait, le mec, il m'a kéblo, je sais pas comment t'expliquer, il m'a bloqué. Il s'est dit, c'est bon, elle est à 1000 km de chez elle. Tu veux que j'aille où ? Je vais aller où ? Je vais aller mettre mes valises dans la rue et attendre qu'un mec, il me prenne dans sa voiture. Je fais quoi ? Ça fait trois fois que tu parles en verlan et que tu nous dis que tu viens du sud. Attention. Oui, j'ai pris l'habitude, je suis restée à Paris avec lui, forcément. Ouais, après, parce que moi, les frères, mariez-vous pas avec les femmes qui te disent v'là les. Celle qui te dit v'là les, marie-toi pas avec elle. Ouais, ça c'était une petite parenthèse. Putain. Et après, tu prends l'habitude, c'est vrai. C'est vrai que ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais moi, je me marie pas, moi. Non. Mais attends, je te termine juste. La dernière, t'as dit, la dernière péripétie qui m'a vraiment choquée, c'est que ma mère, elle monte. Donc, moi, je porte plainte, il va, tout ça, les condés, ils le prennent, etc., etc. Ma mère, elle monte. On est dans l'appartement. Déjà, ma mère, elle me dit, et ma mère, c'est pas, ma mère a fait la salade, etc., t'as vu, elle est âgée. Enfin, c'est pas, tu vois, voilà, machin, là, tu vois, j'ai rien à dire. Elle est là, elle rentre dans l'appart, elle me dit quoi? Elle me dit, je me sens mal. Elle me dit, j'ai des bouffées de chaleur. Et en plus, j'ai appris quand je suis arrivée là-bas que l'appart, il était en sous-location, alors qu'il me faisait croire que c'était une location. Il m'a fait un faux bail avec mon nom dessus. En fait, c'était une sous-loc. En fait, tu vois, c'est un mytho sur toute la ligne. Mais c'est pas ça le pire. Ma mère, elle me dit, je me sens mal, j'ai des bouffées de chaleur, je suis pas bien ici, cet appartement, il est lourd. Mais moi, je comprenais pas. Je me disais, belle, parce qu'elle l'aime pas, elle est ici, elle a ses affaires, voilà, peut-être elle se sent mal. Écoute, hein, j'étais au téléphone, j'étais allongée avec ma copine, je me souviendrai toute ma vie, j'étais allongée sur le lit, j'étais au téléphone avec une copine à moi, on discutait de ça, et ma mère, elle crie. Elle me dit, Alouahi, viens voir, Alouahi, viens voir. En fait, lui, il avait mis un collant avec un gros cadre, un collant sur le mur avec un gros cadre par-dessus, et derrière, il y avait mes cheveux, des ktebs et des clous. Mais attends. Starfallah, ya Rabbi. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Pourquoi ? Inch'Allah que ce live il est enregistré, qu'un jour il tombe dessus et qu'il te contacte et qu'il dise que moi je mens pas. Par Allah que je mens pas. Attends. T'as filmé et tout ? Ah oui, bien sûr, j'ai filmé. Envoie ce bi ! Envoie ! Je te les envoie sur Snap, par Allah, je te les envoie. Envoie Bibi ! Envoie-les ! Non mais wallah ! Non mais c'est intéressant. Non mais c'est intéressant. Envoie-les tout de suite. Tout de suite, je discute pas avec toi là. Maintenant là. Mais c'est du délire. Alors, attends. Tu as trouvé où ? Dans un cadre, il avait mis un cadre ? En fait, il a mis comme un collant. Tu sais, les papiers adhésifs là qui collent. Ouais. Tu vois qui collent. Genre comme pour faire un cadre extérieur avec un collant et par-dessus un gros cadre. Donc en fait, moi, jamais j'aurais l'idée d'aller regarder derrière ce collant. Tu peux pas déchirer si tu fais sur le collant. T'enlèves un peu la peinture, tu vois. Donc il a trouvé le vice pour qu'on regarde jamais derrière ce collant adhésif. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Ouais. Est-ce que tu me suis ? Oui, mais ma mère, elle m'a dit. Et ma mère, t'as vu, c'est... Vas-y, tu lui fais pas, c'est une ancienne, elle a fouillé partout. Parce que ma mère, elle m'a dit, t'es pas normale. Elle m'a dit, moi, je te reconnais pas, depuis que t'es avec eux, je te reconnais pas. Et c'est vrai que j'ai changé. Tout le monde me l'a dit. Et donc, elle fait ça, elle crie, Arwahi, Arwahi, et tout, elle commence, elle pleure, moi, je pleure. Vas-y, et attends, il y a la voisine, celle qui m'a aidée, qui a appelé la police, l'autre voisine. C'est une Marocaine, elle monte. Elle vient me voir et tout ça, elle me dit, mais tu sais, je m'appelle Riem. Elle me dit, tu sais rien. Elle me dit que avant que tu arrives, avant que tu vives avec lui, parce que lui, ça faisait un an qu'il était dans cet appartement, elle me dit, tu sais que tout le monde, tout l'immeuble, il est descendu, parce qu'en fait, les cheminées dans les apparts à Paname et tout, elles sont condamnées, tu vois. Lui, il a ouvert les cheminées, en fait, et il a brûlé des trucs dedans. Elle m'a dit, tout l'immeuble, on sonnait les uns chez les autres. Il y en a un, il s'appelle Gringo. Il y en a un qui me dit, les clous, c'est pour pas que. Oh, excuse-moi. J'appelle. Alors, attends. Hein. J'appelle j'interpelle. Alors on attend juste et ben une réponse. Là, attends. Attends. Ah. C'est mais bon, après, c'est confirmé. C'est attends. Non, mais c'est bon, c'est confirmé. On avait un doute. On pensait que tu étais un homme sur une personne. Mais bon, non, on confirme bien. Oui, c'est bon. C'est bon. Ça va.
Ça va. Bon, les clous, c'est pour pas que tu partes. D'accord. Mais ça, je sais. Mais attends, si je te... attends. Moi, quand je devais te dire les têtes, qu'est-ce qu'il y avait dedans, j'en ai trouvé 26. Tu vois les cadres des portes? Tu vois les cadres? Tu sais les cadres là en fer? Tu sais qui contournent les cadres qui font une porte, oui. Voilà. Ça. Et ben, tu sais que moi, je suis devenue folle. J'ai commencé à chercher partout dans l'appart. À partir du moment où j'ai vu ça sur le mur, j'ai commencé à fouiller partout avec ma mère. On a commencé à fouiller partout. Il y avait ma voisine, la marocaine. Elle m'a dit rien. Écoute, elle m'a dit, t'as trouvé ça, tu vas trouver autre chose. Et moi, j'ai appelé un raqi en même temps. Il m'a dit Kayen, il m'a dit, lui, il t'a tout fait parce qu'il est venu raqi, tu vois. Et moi, j'avais laissé, enfin, laisse tomber trop d'histoires. J'avais laissé mes vêtements parce qu'on n'avait pas encore de machine à laver. Je t'ai dit, le mec, il est en galère. C'était que mes thunes à moi. Donc, je lavais mes vêtements chez sa mère, ses vêtements à lui. Et en fait, moi, déjà, j'avais laissé mes vêtements chez sa mère. Donc, moi, je sais que sa mère, en fait, elle était complice avec lui. Enfin, bref, Mouhim. Moi, cette table-là, j'en ai trouvé partout. Les cadres des portes, on prenait avec ma mère les pinces. On enlevait à dette les trucs en fer. Alors, moi, je sais pas. Mouhim, Raqi, putain, j'en ai ma claque. Alex, je vais racheter des froliques, les mecs, moi. Je vais racheter des froliques. Voilà, ouais, il y avait quoi dans les tebs? Tu les as trouvés où, un petit peu, les tebs? Je t'ai dit, dans les cadres des portes, là où il y a les trucs, les barres de fer, là, qui contournent les cadres des portes, tu vois. Et il y avait quoi dedans? Moi, je les ai hakim avec des pinces. J'ai commencé à fouiller partout. J'ai tout enlevé. Les kitab est tombé. Et moi, je ne sais pas lire l'arabe, tu vois. Ma mère, tu sais, elle n'est pas trop bien l'arabe parce que, tu sais, c'était genre à l'époque, l'Algérie française, tu sais, ils étaient plus... Il y a Naïd Bout de la radio. Il t'a dit, va consulter tes SMS. Mes SMS? Ouais, tu consulteras tes... Ou tu peux consulter tes SMS, là. Envoie-nous tout ça. Ouais, tu habiterais pas à l'Est? C'est vrai, mais c'est toi. Je t'ai envoyé sur Snap mon numéro. Non, c'est pas moi. Tu parles pas à moi. Moi, j'envoie pas mon num. C'est pas moi que tu parles. C'est la l'équipe technique de la radio. Tu habiterais à l'Est, toi? Hein? Est-ce que tu habites à l'Est? Non, j'habite pas. Non, pas du tout. J'habite. T'as pas un chat qui s'appelle la poupette? Non, parce qu'on sait jamais. Si on s'est déjà fait avoir. Non. Et puis. Et ça, tu l'as découvert combien de temps vous avez habité ensemble? On a habité 3 mois ensemble. C'est au bout de 3 mois que j'ai découvert ça. Au bout de 3 mois? Putain, ouais. À t'entendre, vous avez une histoire qui dure 30 ans. Je... Ouais, je dirais que ça fait 30 ans que vous êtes ensemble. Putain. Ouais, je et sais. Et ça va aujourd'hui? Vous êtes plus ensemble? Mais lui, il est en 11, je t'ai dit aujourd'hui. Ouais, il est en 11, mais il est officiellement plus avec toi ou pas? Mais moi, c'est fini. Moi, je suis partie au jugement. Et ils disaient, j'aime ma femme. Moi, je pouvais pas dire, tu vois, devant la juge, tout ça, procureur, tout ça, je vais leur parler de Kteb. Ils vont me prendre pour une folle, moi. Parce qu'ils croient pas à ça. Tu connais les gourds. Ils vont dire, ils prennent pas ça en compte, en fait, tu vois. C'est pas inscrit dans le code pénal. La sorcellerie n'est pas reconnue, oui. Voilà, c'est ça. Et même, j'avais peur de me faire passer pour une folle. Je vais leur dire, oui, j'ai trouvé des talismans. Ils vont me dire, bon, vas-y. Tu vois, je pouvais même pas parler de ça. Moi, j'ai parlé que de violence. Attends, en même temps que je suis en train de te parler, je vais envoyer... Envoie parce qu'on va afficher ça. Donc, tu as trouvé quoi? Attends, mais tu vas afficher ça. Le CTEP, c'est un moment et tout, tu vois. Vas-y. Non, mais t'inquiète pas, on cachera ce qu'il faut cacher. Je veux juste voir si ton histoire, elle est vraie. Sinon, je donne ton numéro à des chauffeurs bulgares. Attention. On est des musulmans, je t'ai dit par Allah. Que ma mère, elle crève. Inch'Allah, elle crève. Justement, ça va? Non, je te crois, mais il faut pas dire on est musulmans et tout. Bientôt, tu vas me dire tant qu'il est dans le dîme. Et tout ça en 3 mois, c'est chaud. C'est chaud. Tout ça en 3 mois, Wallah, tout ça en 3 mois. Wallah, la hadim que tout ça en 3 mois. Wallah. Et attends, c'est pas fini. C'est que ensuite, attends, je suis en train de chercher en même temps. T'inquiète pas, je vais envoyer. Hein. Je vais juste terminer ça. Ouais, ça, vas-y, finis. Ouais, vas-y. En fait, moi, je sais pas lire l'arabe. Donc, qu'est-ce que je fais? Je contacte Araki. Il vient et je contacte mes cousines du bled, tu vois. Ouais. Je leur envoie les kitabs. Je t'ai dit, il y en a 26, je leur envoie. Elles me disent rien, elles me disent, mais c'est pas possible. Elles me disent, mais c'est qui ça? Elles me disent, c'est quoi? Tu sais comment il s'est appelé? En fait, il avait marqué Riyem, pour ceux qui comprennent pas l'arabe, je sais pas traduire l'heure, mais toi, je sais. En dessous de tes genoux, dis, on répète. Riyem, tahterjli kilkilb, hittarajel ishofiran. Putain, Riem, ça me donne des frissons. Putain, Riem, en dessous tes genoux, même le chien... Répète-nous.
ريام تحت رجليك الكلب اللي لابي ماركي ريام حتى راجل ما يشوف فيها انا ولد الجن ما تشوف فيا غير انا ولد لو ميك سي في ابلي ولد الجن ان فيت il a fait un pacte moi c'est ça qui m'a choqué par Allah c'est ça qui m'a choqué le mec il s'est fait appeler ولد normalement tu fais un cut tu dis Anna je vais pas dire son prénom t'as vu normalement tu fais un kteb tu connais ce qu'on met dans les kteb toi c'est une blague je suis partie dans tous les groupes t'as sorcellerie nanana ceci cela je me suis renseignée à mort j'ai passé des nuits à lire des trucs sur ça bien sûr que j'ai vu bien sûr t'as fait la salade quand ça t'est arrivé ah non t'étais sur les groupes bon d'accord c'est la loria ça mais c'est non, chaud je cherche à comprendre en fait tu cherches à comprendre en fait c'est parce que moi j'ai jamais été côtoyée au fur de ma vie en fait et tu cherches à comprendre c'est quoi ça donc tu vas dans des groupes je sais pas si tu vas sur Facebook comment ça s'appelle témoignages sahar c'est entraide entre nous entraide entre filles sahore entraide putain c'est chaud putain ouais, déjà wow. attends je vais t'envoyer attends où est le Belgien et il avait des colliers bizarres. Attends, j'ai tout. Qui c'est qui a dit supporter bulgare du Ligororets Biftanen, viens ici. Biftanen. Non. Le pire, tu sais que c'est. Envoie-nous. C'est qu'en fait, dans le lit où on dormait, à chaque fois, il est. Ah oui, le lit, il était rempli, le lit. Et lui, là, en fait, aussi le lit, il a cloué au sol. Tu vois. Je sais pas comment t'expliquer. Tu vois comment. Il a cloué le lit au sol. Oui, parce que Zamel. Avec des vrais clous. Non, mais il y a des lits, tu peux les fixer au sol pour pas qu'ils bougent, tu vois. Ouais, tu mets des pattes pour que tu les fixes au sol, ouais. Voilà, et tu vis, voilà, exactement. Parce que lui, putain, moi, je serais inquiet hein, si je vois mon mari clouer le lit au sol. Tête de ma mère. Non, mais parce que lui, vas-y, je vais pas rentrer dans les détails, parce que voilà, quand t'es avec ton mari, t'es dans un lit, tu sais très bien ce qui se passe. Donc, pour pas que les lits bougent, genre, que ça fasse du bruit, tu sais. Mais absolument pas, il y a une table, il y a la coiffeuse. Tu la prends dessus mais, il faut innover. Mais comment ça une chambre, c'est vaste. Sur le rebord de la fenêtre, t'es pile poil à la taille. En plus, tu regardes ce que tu fais. Je vise. Ouais. Donc, le lit, c'est un peu cliché. Vas-y, je t'écoute. Moi, le lit, je pense que c'est que pour le côté. Tu vois, que pour le côté. Non, ouais, donc. Non, c'est pas ça. Ouais, vas-y. Ouais, et donc, putain. Et t'as trouvé dans le lit plein de kteb. Plein de kteb dans le lit, plein, mais plein. Et attends, le pire, c'est qu'ensuite, ça me revenait, moi, dans ma tête, parce que moi, j'ai jamais pensé une seule seconde qu'il m'aurait fait ça, en fait. Et en fait, après, avec le temps, il me disait quoi ? Il me disait, ah oui, tu sais qu'est-ce qu'il me disait ? Il me disait, dors du côté droit, je lui dis. À chaque fois, il me dit, dors du côté droit, je lui dis, mais qu'est-ce que ça ? Il me dit, non, mais parce que j'ai l'habitude, je lui dis, mais on s'en fout, c'est bon, des fois, j'ai envie de mettre là, je me mets là. Mais en fait, pourquoi ? Parce que tout, en fait, tu vois, là où il a cloué le lit, et ben en dessous de ces trucs-là, je sais pas, moi, après, je suis pas mécanicienne, je préfère un mécanicienne, non, mais je sais pas, moi, tout ce qui est travaux, tout ça, comment ça s'appelle, les outils, là. Et ben, il y avait que de mon côté, là, où il disait de dormir, en fait. Tous les tables, ils étaient de mon côté, à moi du lit. Tu vois ce que je veux dire ? C'est du délire. Regarde. Ouais, c'est du délire. Attends, j'envoie. Vas-y, envoie, ça fait en direct, t'habites au Japon. Vas-y, envoie la sauce. Ben, attends, parce qu'en fait, tu sais, tellement avec la rapidité, je suis en train de cliquer sur plein de choses. Et là, je suis en train de supprimer parce que j'envoie mes photos, mes nièces. Alors, attends, ça, et là, j'envoie. C'est bon. Ça y est. Normalement, il a tout. Mon boule. On t'a pas demandé. Normalement, putain, c'est chaud. Voilà. Nightbot, regarde. Vas-y, envoie la sauce. Ça y est, j'ai envoyé, mais par contre, ne les affiche pas, s'il te plaît, parce qu'il y a mon prénom. Non, voilà, non, Et même on va couper le prénom. Il m'a dit, parce que le Raki, quand il est venu, il les a mis dans. Il a coranisé l'eau et tout. Il les a mis il dedans. Il a coranisé l'eau, Raki. D'accord. Il les a brûlés. Et Raki, t'a dit, si ces photos-là, elles sont vues par les gens, ça peut. Ouais, voilà. Ouais, ça peut réenclencher le sahur. D'accord. Voilà, alors écoute, il n'y a pas de problème. Nightboat, envoie-moi les photos, les mets sur Telegram. Ah, mais c'est une blague. Vas-y, envoie la sauce. Non, mais franchement, Sam, je te fais confiance. Attends, je l'ai reçu. Il y a Pocho qui me dit, je l'ai reçu et c'est pas un fake. Incroyable. Bien sûr que c'est pas un fake. Incroyable. Bien sûr, mais je suis pas un fake. Incroyable. Envoie ça, Pocho.
et demande-lui là le truc noir. Tu vas comprendre si tu envoies la photo avec le collant noir. Tu vas voir qu'en fait, tu peux pas l'enlever. Sinon, ça enlève la peinture. Et moi, ma mère, t'as vu direct, je dis, oui, elle s'en fout, elle est partie, elle a tout arraché. Et là, mes cheveux, des clous, deux ctèbes à côté. Mais mes cheveux, il les a ram... Je sais pas, quand je dormais ou dans ma brosse ou dans la douche, tu sais, quand t'es... En plus, moi, j'ai les cheveux très longs, tu vois, j'ai les cheveux jusqu'en bas du dos. Donc, quand tu te laves tes cheveux, ils tombent. T'as toujours quelques cheveux, ils tombent. Et il y avait une touffe de mes cheveux collée au mur par Allah la vie. Non, mais Wallah l'Azim, je te crois. Quand je dis je te crois, c'est pas spécialement. Je crois en l'histoire. Mais moi, ce que des mecs font du sroor, putain. Ouais, je te jure. Ouais, je t'assure. Moi, c'est ça qui m'a choqué. C'est chaud. Mais ce qui m'a le plus choqué, c'est qu'il a une croix. Même s'il prie pas, t'as raison, c'est vrai. On n'est pas. Vas-y, on fait des erreurs, on n'est pas tous parfaits. Il prie pas. Mais il avait une connaissance dans le djinn. Je sais pas comment te dire. S'il te plaît. Le djinn. De Tony Montana, ça, non frérot, c'est un viradouiche là. Ouais, il n'y a pas qui t'a trahi, arrêtez-vous, parler de ça, de Dean. Oui. Viens, on mélange pas tout. Qu'est-ce qu'il m'a dit, Larry? Il m'a dit Khedak. C'est Freddy Allah, qui hein? Le Larry, il m'a dit Khedak, Allah. Il m'a dit justement, il a joué de la religion, je suis Khedak. Parce que moi, quand il me parlait d'Allah, toujours il était là, il disait nanana, Allah, et moi je suis un bonhomme, et moi j'ai qu'Allah, et nanana, et toujours il parlait que de ça. Mais en fait, justement, c'est ceux qui en parlent le plus. Bonjour, vous êtes sur la messagerie du... Aïe, 07, aïe, 49, putain, 45, putain, frérot, 01, putain, 68. Putain, le pauvre. Une fois l'enregistrement terminé... Non, mais il est parti, le frérot, ta merde. Voilà, frère mais Nabil, excuse-moi. Non, mais frère, je voulais appeler un frère. Frère Nabil, excuse-moi, bon, c'est chaud. T'as, c'est chaud. Mais il s'en va. Attends, il va envoyer, inquiète-toi pas. Putain, c'est chaud. Putain. Bien sûr, les ZAM, enfin, comme je t'ai dit, il y a toujours des bonhommes, bien sûr, alhamdoulilah, mais la majorité, là, maintenant, les rebeux, là, mort et tout. Bon, là, stop, dis pas les rebeux, ou je vais te gifler. Dis pas les rebeux, dis-lui. On n'est pas comme ça, nous. Non, mais je parle pas qu'il y a des rebeux, mais je me suis trompée. Parce que moi, j'ai la haine contre lui, en fait. J'ai la haine. Tu peux avoir la haine. La tête de ma mère, tu peux que avoir la haine. Wildebladek, il te fait ça. Wildebladek. Jure par Allah l'Aziz. De quoi? Jure par Allah l'Aziz. Mais arrête, tu te fous de ma gueule, Bassam. Non, attends. Voilà, c'est un prénom d'Allah. Dans les 99 prénoms d'Allah, c'est Al-Aziz, viens. Wallah l'adim, tu peux que avoir la haine et moi je te rejoins. Sur ça, je suis très sérieux. Sur la tête de ma mère, c'est vrai. Je suis très sérieux. Non, ça, c'est un vrai fils de pute. Il y a ça qui m'a choqué et pas l'histoire où tu l'as rencontré et tout le reste et tout. Je suis tombé l'offre d'un voyou et tout. Non, moi ce qui m'a choqué, c'est quand il t'a dit prendre la cam. Incroyable. Ouais, il m'a dit incroyable. Prends. Allah, il m'a dit prends. Wallah, il m'a dit prends. Wallah l'adim, il m'a dit prends. J'étais choquée. Parce qu'il voyait que c'était pas bien, il m'a dit vas-y, prends. Il m'a dit, tu vas zapper un peu. J'ai dit, quoi? Je lui ai dit, mais t'es sérieux? Je lui ai dit, toi, t'es mon mari, toi? Tu me dis de prendre ça et de tomber dans ça? Je lui ai dit, déjà, toi, tu fais ça, tu me dégoûtes et moi, tu me dis de prendre ça? Je lui ai dit, mais il m'a dit, moi, j'ai pas de solution, t'es là, t'es triste, tu veux que je fasse quoi? Il me dit, et comment ça se passe? Attends, excuse-moi, on appelle la technique où on en est, Pocho, là, c'est du Japon que vous envoyez des infos? Ah, attends, fais voir ça. Non, mais il a un problème avec les femmes, de toute façon. Il commandait des tableaux du... Allez sur Telegram, allez sur Telegram. On a caché le nom, hein. Allez sur Telegram, putain, c'est effrayant. En fait, c'est marqué... Oh, mais putain. Arrête, vous allez sur Telegram? Non, tranquille, non. On n'est que 3 personnes. Non, mais attends. Mais Wallah l'Azim, il n'y a pas ton nom qui est inscrit dessus. Tu vas voir. Mais tu vas voir et tu vas... En arabe, justement. Va voir et dis-moi ce que t'en penses. Il a même demandé dans les ktebs la mort de ma mère et mon frère. Et il y a même leur prénom, si tu veux savoir. Si tu sais lire l'arabe, lis-les. Lis. Pocho, enlève-moi la photo. Enlève. Enlève la photo qu'on envoie à quelqu'un. Par mon frère. Par Allah. Le jour de déjà... Putain. Et attends, il y avait des cheminées aussi. Tu as trouvé ça où, là? Partout. Ah, il y en a, ils ont remarqué, là.
Il y en a, ils ont remarqué la grosse cuisse dans le legging Nike. T'as vu les pervers? T'as vu les pervers? T'as, c'est chaud. Et ce que t'aimes, là, ça, là, ça, là, où tu l'as trouvé, lui, que tu avais... T'as, c'est écrit bizarrement, en plus. C'est de la manière dont... Bah, et encore, c'est écrit derrière et tout. Et encore, je ne les ai pas tous mis parce que si à chaque fois, j'appuie, c'est l'iPhone, tu connais. Ça sélectionne tout. Et après, je mets 2 heures pour tout désélectionner parce que j'envoie mes photos, j'envoie mes nids, j'envoie tout. Tellement je vais vite. Mais j'en ai encore plein. Là. C'est parce que tu ne me croyais pas. Je t'en ai envoyé que quelques-uns. Non, je te crois, tranquille. Et je te crois. Tu l'as vu, la toile noire? Envoie-moi la toile noire, le frérot. Envoie-moi la toile noire. Mon petit frère Pochon, là. Envoie-la-moi. Avec le cadre par-dessus. C'est un truc, si tu le décolles, en fait, il l'a fait exprès, genre, pour que moi, même si je me dis, attends, je vais faire le ménage, je vais ranger, je vais essayer d'enlever la poussière. Putain, la tête de ma mère! C'est quoi ce délire? Alors, attends. C'est pour ça que c'est le... Attends! Le cadre noir, là, c'est là où il y a le fauteuil rouge. C'est derrière, le collant. Tu vois le collant noir, là? Il y a un fauteuil rouge, là, ou pas? Ouais, là où il y a le fauteuil rouge, voilà, juste au-dessus. Tu vois le collant? C'est un collant, ça. Tu vois, c'est comme une sorte de tapisserie collante. Je sais pas comment te dire. Il a fait ça, il l'a mis en dessous et par-dessus, il a mis le cadre. Comme ça, elle dit que la tapisserie, on l'enlèvera jamais, en fait. Je l'enlèverai jamais, jamais, mais je m'en rendais compte. Alors, attends. Ah oui, dans le canapé aussi. Dans les canapés. Attends. Donc, voilà, mesdames et messieurs. Dans le coton. Attends, je te trouve les coussins. Attends. Mais elle ne ment pas, la tête de ma grand-mère. Elle ne ment pas. Regardez bien. Starfallah, c'est un coffre-fort de Sour. Incroyable, mais vrai. Putain de merde. Imagine ce que j'ai vécu. Imagine le choc que j'ai eu. Et putain. Tes cheveux avec des clous. Et regarde les dessins qui... Attends, regarde les dessins. Ça, il est commandé du Japon. Genre, c'est des maîtres qui soumettent des femmes. Il commandait des affiches comme ça du Japon. Pochon, remets les photos. Maintenant qu'on a barré, sur Telegram, remets les photos, remets la photo de la note là où c'est marqué, et remets la photo de. Et mets la photo, Aïchik, frère, remets la photo du. Le fauteuil. Ouais, je vois maintenant quand tu me dis ça là, le scotch et tout. Putain, quel fils voilà. De pute. Tu me comprends bien. À expliquer, c'est dur à expliquer, mais il faut le voir, voilà. En fait, mon Dieu, quel fils de pute. Bah ouais, je t'ai dit. Je t'ai dit, c'est un truc de ouf. Là, et c'était justement, et là, c'est pour ça que moi, je voulais parler. Parce que déjà, je suis choquée. Je sais pas, je fais que te parler. Et moi, j'ai pas envie de parler de ça à mes amis tout le temps. J'ai pas envie de les saouler. Même eux. Là où il y avait le sour, là, c'est les barres blanches, c'est les barres noires, c'était quoi? Non, c'est derrière le collant noir. Le collant noir. Tu vois le collant noir? Le collant noir, ouais, je vois le collant noir, là, ouais. Et ben en dessous du collant noir et par dessus en fait il y a comme une sorte de tableau tu sais, qu'il a fait lui-même à main, c'est une déco à main, tu vois ce que mais c'est quoi la piécette là, la pièce là, je vois une pièce, voilà, une pièce de monnaie là avec un trou. Oui, ben ça c'est un collier qui se mettait autour du cou. Et ce collier là quand on l'a ouvert avec ma mère et le raki, il y avait une odeur hachak mais de la mort. Il y a que moi, en plus, il n'y a que moi qui a vomi. Il y avait tout le monde chez moi. Il y avait ma voisine, il y avait mon frère, il y avait ma mère, il y avait le raki, il n'y a que moi qui a vomi. Mais j'ai vomi des seaux. Mais laisse tomber, j'ai fait que de vomir. Je me suis évanouie. Mais le mec, il m'a dosé. Ah oui, dans un club, il a marqué à la charbet le main. Ça veut dire qu'il m'a fait boire un truc aussi. Moi, mes cousines, le raki, ils m'ont tout traduit. C'est effrayant. Wallah, c'est effrayant. C'est effrayant. Elle, le raki, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, tu serais restée avec lui encore. Il m'a dit, tu serais devenue folle. Il m'a dit, tu serais devenue folle parce qu'il me dosait. Il y en avait partout. Et dans les canapés. Ah oui, dans le canapé. Attends, je suis en train de te chercher les coussins du canapé. Tu sais, dans le coton. Tu sais, dans le coton, parce qu'il a acheté genre des fauteuils, tu sais, comme des Starfield. Et genre, tu sais, dans les coussins, c'est du coton. Et lui, au milieu des cotons, il a mis des ktebs. Et des fois, quand j'étais assise sur le côté gauche, Zama, la nuit, et la nuit, il allumait toujours des bougies. Moi, je me disais, Zama, il veut faire le romantique. Mais en fait, non, c'est pour activer les genoux. Tu as mal aux pieds, non, là? Tu moi? Ouais. Non, j'ai pas mal aux pieds, pourquoi? Parce que c'est en train de défoncer tes pieds dans la roue, là, la vie de ma mère, il me dit, elle fait du 65. Donc, n'importe quoi.
Oh putain, tu travailles, tu serais pas CRS? Non, je te les questions qu'on me pose. Alors, tu t'en es débarrassé d'où? Tu t'as fait comment? Mais putain, mais c'est grave. Oh, faire mais wallah, faire un sourd imaginatif derrière un cadre noir, mais tu t'en... Mais ça, c'est rien. J'espère que t'en vaut la peine, hein, je... Ouais. Il y en avait sous le truc, quand il a fixé le lit, il y en avait sous les fixages, là, du lit. Moi, par contre, j'ai pété les plombs. Moi, j'ai cassé le lit, j'ai enlevé tout. Tout est tombé, les ktebs, ils sont tombés. Il y en avait même dans la salle de bain, derrière mes affaires, mes produits. Mais laisse tomber, c'est collé dans le meuble. En fait, qu'il a collé le meuble. C'est sur... en fait, comment... J'arrive pas à t'expliquer. Il faut le vivre pour le... Non, c'est... Ouais, non, mais il faut le vivre. Il a allégué un meuble. Incroyable. Et les deux derniers... Et les deux derniers ktebs... Alors, parce que là, si on fait le... Si on fait la somme, bon, là... Il nous reste deux ktebs. Les deux derniers ktebs, c'est pas tes pieds. Enfin, si on pose la question. Là. Ouh, c'est pas mes pieds. Non, il y en a, ils ont dit, ton pied, c'est un kteb. Non, c'est... Ils sont cons. Mais c'est pas mon pied, ça, c'est ma cuisse. Ouais, non. Ouais. Non, la photo, il y a la chaîne, là. C'est... Y a... Ouais, un la petit photo, peu, faire gaffe. La chaîne. Ouais, ah, c'est faut ma faire mère. Gaffe. Oh. Ah, c'est... ah, d'accord, excuse-moi. Et puis, alhamdoulilah, tu t'en es débarrassé. Mais alhamdoulilah, mais c'est un sorcier, ce fils de pute. Mais attends, c'est un Will Delgen. Il y avait marqué Will Delgen. Le mec, il a fait impact. Will Delgen. Will Delgen. Et t'as vu la photo? Est-ce qu'il t'a envoyé la photo ou... Ah oui, et il a fait une cible aussi. Regarde, il a fait un triangle. Regarde, hein, je vous envoie tout, moi. Je suis pas une mytho, t'as vu? Attends. Les pieds de Clovis, attends. Le roi des Francs. Regarde, regarde ce qu'il a fait. Regarde, il a fait un triangle dans le mur et il a fait une cible. C'est lui qui a cassé, hein, alors que c'est une sous-location. Alors, attends, il va m'envoyer. Ah, ouais, il a fait un triangle, ouais. Ah, c'est les choses olympiques, ouais. Et regarde la photo, c'est-à-dire, regarde les portraits qui commandaient du Japon avec la femme soumise. Genre un maître, je sais pas, japonais qui tient une femme soumise par terre. En fait, il a un problème. Il veut que sa femme soit soumise, mais pas soumise comme... Tu sais, moi, je suis soumise à mon mari, mais dans le ciel, quoi. Lui, il voulait dire que soit ça. Tu vois, que ça... Je sois ça... Je sais pas comment t'expliquer. Ouais, mais j'ai compris le truc. Putain, c'est chaud. C'est... Waouh. En tout cas, franchement... Putain. Et il m'a dit, Rahi, il m'a dit que tu sois pas devenu seul. Il m'a dit, voilà, Allah, il t'aime. Il m'a dit, parce qu'avec tout ça, il m'a dit, mais... Et lui, une cible sur le mur, mais une vraie cible en vrai. Oui, oui, tu l'as reçu. Ouais, ben il me l'a envoyé, pochon là. Oh, mais oh, ça c'était caché par un cadre. Oui, aussi. C'est ça le dessin japonais d'une femme soumise. C'est lui qui a cassé le mur. Il est bizarre, la tombe de mon grand-père, il est bizarre. Et le mec, pourquoi il fait un triangle déjà? Pourquoi il fait un triangle? C'est du délire. Attends. Après, ouais, regarde, dans tout... Et... Mais attends, c'est pas fini. Regarde, là, il y a une vidéo. Je vais te l'envoyer. Attends, mais il y en a plein. Regarde, ouais, ça va. Même dans... Et il y avait même des pierres. Des pierres. Wallah, des pierres avec des pages jaunes, écritures jaunes. Regarde, je vous les envoie. Télégramme, les mecs. Non, mais Telegram, mais je t'ai dit, hein, après, tu veux faire du mal et que les trucs qui se réactivent, il m'a dit... Rien à foutre, moi. Telegram, je te dis, rien à foutre, moi. Non, je rigole. Non, le japonais, le dessin, mais il est bizarre, ce mec. Mais je t'ai dit. Oh. Mais pourquoi il a fait un trou en triangle? J'ai pas compris, même moi j'ai pas compris, même moi. Et le mec, mais c'était dit, quoi cette pièce là? C'était quoi? C'était entre quoi les pièces là? C'était notre chambre. Fils de pute, il t'a fait un triangle qui a rien à voir? C'est quoi ce délire? Ouais, je sais pas. Moi je suis arrivée déjà dans l'appart, le triangle il était fait. Il était déjà fait. Il était fait déjà? Oui, quand je suis arrivée c'était fait déjà. Bien sûr. C'est lui qui l'a fait? Mais oui, c'est lui qui l'a scié, c'est lui qui l'a fait. Oui. Avant que tu viennes. Avant que j'arrive, il avait tout préparé. Ah, il a voulu te niquer, lui. Avant que j'arrive. Et ça, c'est les pierres que tu as trouvées, là? Ouais, c'est les pierres. Elles viennent d'où? Bah, je sais pas, elles étaient là-bas.
Il les avait mis, genre, tu sais, le lit, il y avait comme un truc en bois par-dessus le lit. Tu sais, comme un truc de rangement au-dessus. Bah, ils étaient au-dessus, comme ça, au-dessus de ma tête, en fait. Putain, c'est chaud. Non, je veux bien te faire croire que tu t'es fait soirée, mais tout... Oh, le triangle dans le mur. Mais wallah, je reste pas une seconde avec ce fils de pute. Qu'est-ce qu'il vient faire ici, ce triangle-là ? Une déco, je sais pas, tu sais, je le croyais dans tout ce qu'il disait, je sais pas comment t'expliquer, c'est... Bah, en fait, jamais, j'aurais pu tout imaginer qu'il ait une meuf, qu'il me trompe, qu'il fasse tout, j'aurais pu tout imaginer, mais pas le seul. Le seul, je ne me serais jamais imaginé. Qui s'imagine jamais. Se faire se Surtout d'un homme. Ouais. De quoi? Écoute, non, qui peut penser qu'on se fait se rôler, quoi? C'est vrai que c'est la dernière chose à penser, quoi. Putain, c'est chaud. Écoute, wallahi l'adhim, demain, on va en parler à jeudi de la poisse. On fera réagir des gens par rapport à ça, mais c'est vrai que ton histoire, elle fait froid dans le dos, la tête de ma mère. Hein. Putain, moi, je te croyais pas, hein, je vois les photos, la merde. Hein. Mais je t'ai dit, c'était depuis tout à l'heure. Telegram, Nightbot, mets le lien. Ouais. Écoute, aujourd'hui, tu te sens comment aujourd'hui? Avec tous les raqis, si Freddy, que tu as vu. Je fais des raqis et tout, mais après, je te montre, ouais. Je fais des cauchemars bizarres. C'est vrai. Je sais pas comment te dire, je fais trop de cauchemars bizarres. Je sais pas comment te dire ça. D'accord. Bon, je pense que c'est encore un peu là. Et... Ouais, ouais. En tout cas, merci. Hein, merci, on applaudit la sœur pour les 50 nuances d'Ekteb. Et encore, ça passe. Ouais, tranquille, on fera avec. Merci beaucoup de nous avoir appelés, d'avoir partagé les photos pour qu'on te croie et tout. Et c'est vrai que malgré tout ça, ton message est vrai qu'il y a des hommes qui se hordent des femmes. C'est incroyable, ouais. Mais vrai. Merci, on t'applaudit, force à toi. Tu nous donneras des nouvelles, Inch'Allah. Hein? Ouais, attends, c'est bon, je vais aller dormir. Moi, j'ai faim, moi. Allez, merci beaucoup, mesdames et messieurs, c'était Radio Halib. Sur la tête de ma mère, on a fait 3h25. Merci à la roue, merci à tous les modérateurs. Telegram, mesdames et messieurs, c'est une coucherie. C'est Radio Halib, demain, jeudi de la poisse. Ah ouais, mesdames et messieurs, on est revenu pour de bon. Soirée à thème et tout ce qui va avec. Petite dédicace à vous. On est là demain, Inch'Allah. Second poteau pas mal.